Bonsoir. Bonsoir Mohamed. Toi qui es dans le direct ici chaque soir, tu as mis quoi en pratique de tout ce que tu entends, je dis ici? Je veux vos témoignages aujourd'hui. C'est que vous êtes chaque soir ici là, vous regardez, vous ne faites rien. Vous regardez, vous ne faites rien. Donc bonsoir, soyez les bienvenus. Tous les gens qui sont au premier banc ici là, chaque jour vous êtes connectés. Je dois voir ce que vous avez fait avec tout ce que vous entendez, j'ai dit ici chaque jour. Donc bonsoir à la reine Elixir, c'était la première. Tiens, en douceur quoi? Hé Mohamed, en douceur quoi? Je me rends juste compte que beaucoup d'entre vous, vous m'écoutez chaque soir. Mais vous ne faites rien de ce que je dis. Vous écoutez alors pourquoi? Quand il partait encore à l'église et que je sais que je suis en train de pécher, je ne passe pas à l'église. Je pars, je pêche bien. Je finis de pécher, mais dans quel veut me repentir, je reviens à l'église, je jette la personne avec qui j'ai péché. Quand tout ce que vous voulez faire, faites bien. Tu as aimé le direct. Ben, ce sont les esprits qui ont guidé le direct, ma chérie. Tu as compris, Alexis. Et c'est qu'aujourd'hui, vous me flattez. Demain, quand ça va tourner dans votre tête, vous allez commencer à dire que, wow, que je ne t'aime plus. Parce que je dirai toujours ce que l'esprit me dit. S'il me dit que, porte, aujourd'hui, lève-toi, tu parles que de ça, il veut parler. Si le jour-là, ça te plaît, oh, c'est bien. Si là, ça te plaît pas, oh, mon cotignon. Tu as fait les bains aujourd'hui, Angèle, c'est bien. Tu as fait tes bains, c'est bien. Picotement. Bonsoir Charlotte. Beaucoup d'entre vous, vos corps là sont pleins de mauvaise énergie. Plein. Comme les pieds par exemple. Je sais que la seule fois où vous mettez le sel dans vos pieds, où on met le pied dans vos selles, dans le sel, c'est quand vous partez faire les pédicures. La première fois que j'ai vraiment mis le sel spirituel dans l'eau, j'ai mis mes pieds dedans. Mes pieds ont picoté toute la soirée là. Le roi Changi, bonsoir. Comment va ta soeur? Tu fais partie de l'une des premières personnes à qui j'avais parlé en août. Donc, qui d'autre a essayé le bain et ça a donné quoi? Donc, tes pieds, c'était grave, justement. Les bains que je vous ai montrés ici à faire. Il y a des énergies. Merci, Alexis. Thanks for the compliment. Il y a des énergies que vous avez accumulées au fil des années. Vous êtes parti chez votre oncle, peut-être il vous grondait trop. Vous avez la femme de votre père ne vous aimait pas. Votre belle famille, quand vous étiez marié pendant 10 ans, la belle famille vous donnait les mauvais, un hard time. Tout le temps, ils étaient derrière vous. Ça a accumulé les énergies dans vous. Et ce sont les énergies qu'aujourd'hui, là. La sorcellerie, hein? La sorcellerie, c'est quand tu veux détourner la vie de quelqu'un. Quand tu viens voir quelqu'un, il est en train de faire le. Je suis elle avec son gars, tout va bien. Tu veux maintenant pourrir leur vie. C'est ça la sorcellerie. Quand tu veux détourner quelque chose de son intention originelle. C'est ça un sorcier. Donc il y a des gens qui font la sorcellerie en plein jour. Bonsoir à tout le monde. Tu viens, tu leur présentes ton gars. On commence à aller dire que pourquoi tu veux te marier tôt comme ça, hein? Hein, mon chéri? Gars, mon fils, tu es encore jeune, tu n'as que 24 ans. Non, 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 non. Laissez encore le futur mariage là, laissez ça. Sa mère est venue faire la sorcellerie en plein jour sur lui. Elle a fait la sorcellerie. Les jeunes filles bêtes, 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 simples, simples là, arrêtez d'être simples. Vous allez écouter ma chaîne, vous allez devenir consciente. Vous allez devenir sage.
Je parle avec une jeune fille, je crois que c'est l'avant-dernière consultation que j'ai faite avant le direct ici. Elle me dit, hier qu'elle écoute mon direct, avant de payer sa consultation aujourd'hui, elle parle de ce que j'ai dit dans le direct à un de ses amis. Elle dit, ah, tu sais, j'ai trouvé une femme sur Facebook. Elle dit de faire comme ça, là, de faire les bains de sel. Tu connaissais? Il dit, mais toute ma famille fait les bains de sel. Que tu ne connaissais pas? Oh, tu es encore jeune. Tu es encore tellement... Spirituellement, tu es encore... J'ai dit à la fille que vraiment, Tom, là, tu es bête. Tu es bête. Peut-être que le gars, là, t'a m'envoûté, tu ne connais pas. Il y a les secrets que les gens ont sur vous. Comme ça qu'ils font que tu es là, tu restes, tu penses au gars, là. Tu veux lui donner tout ce que tu as, ton argent, ou tu veux lui donner. Dès que tu n'en agis pas, il s'en fout de toi. Les femmes là, vous voulez qu'elles parlent pour vous? Vous voulez qu'elles parlent? Les bas témoignages. Oh, le père de mon enfant, ça fait 1 an et demi. Il a pris les champs. Il a pris la poudre. On appelle la poudre de quoi là-haut? Oh. Bonsoir la reine Jocelyne. Ah, Jocelyne, ma part de Jocelyne, ça avait un essai. Tu as compris. Bonsoir les reines qui viennent d'arriver. Bonsoir les rois. Partagez ma vidéo. Si vous êtes nouveau sur la page, abonnez-vous. Je vais vous montrer quelques petites astuces aujourd'hui. Je vais vous montrer quelques outils que vous devez avoir chez vous. On va faire. Vous savez que j'aime parler mon. Je parle, je parle, je parle, je parle, gna gna gna. Donc après, je vais vous montrer. Peut-être même dans 40. Si vous avez quelque chose à faire, vous venez d'arriver à la maison. Allez vous laver d'abord, vous revenez. Quand vous allez revenir dans 30 minutes là. C'est là que vous allez voir, je serai en train de parler des. Je vais vous montrer les outils spirituels que vous devez avoir chez vous. Oui, la poudre d'escampette. C'est vous avec le gros français. Attendez, même mon numéro ici là. Quand vous me contactez sur WhatsApp, ne m'appelez pas directement. 30, 99% du temps, je suis en train de parler. Je suis en consultation avec quelqu'un. Donc si vous m'écrivez, vous m'appelez seulement pour me parler. Oh, je vais seulement te parler 5 minutes. Je ne suis pas là pour vous parler. Si vous avez un témoignage, écrivez-moi le commentaire. Ne m'appelez pas pour me faire 10 minutes de témoignage au téléphone. S'il vous plaît. Pela Kamé, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas reçu la notification. Même si Facebook fait n'importe quel complot, ça ne va pas marcher. Au nom de Jésus. Donc, je vais vous montrer les outils spirituels que vous devez avoir à la maison. Qui sont nécessaires. Quelques-uns, ok? Entre autres... Les protestants qui n'aiment pas le chapelet, là. Il y a le chapelet, il y a les poudres, il y a les... il y a beaucoup de choses. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Bon, si vous venez d'arriver, abonnez-vous. Likez. Likez la vidéo. Si vous mettez le cœur, ça ne va rien faire. Si vous venez avec le mauvais cœur, partez, pardon. Donc, la jeune fille, elle a un ami avec lequel elle traîne depuis... ils ne sont pas ensemble, mais bon, ils ont failli, failli, failli de failli. Et elle voit ce qu'elle a, j'ai mis dans ma vidéo hier, le lavage. Elle va dire à la personne, hey, est-ce que tu savais le lavage? Il dit que toute ma famille fait ça, que tu ne connaissais pas. Vous serez surpris de savoir ce que certaines personnes connaissent. Et une autre encore. Oui. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous m'appelez. Les Français, là, vous avez manqué de respect aux gens. Et si décoche, la personne a dit que oui, je vous vois en direct, là. Vous-même aussi. Ouais. Pardon, abonnez-vous, vous mettez les clochettes. C'est les clochettes de notification, si c'est quoi, quoi, là-haut. Abonnez-vous, vous mettez les notifications. Donc, j'ai cette autre dame que je consulte. Elle me dit... Elle a presque 40 ans. Hein. Elle tombe sur ma vidéo. Je parle de lavage. Si vous êtes tous riches, c'est bien. Vous avez compris? C'est pas comme dire que si tout le monde est riche, l'argent va finir. Si on est tous riches, c'est bien. Si vous me demandez que vous parlez encore, je vais vous bloquer. Vous êtes égoïste souvent. Vous allez là où vous voyez 100 personnes sont connectées. Vous voulez qu'on parle seulement de vous. Moi, 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 moi. C'est de l'égoïsme. Parle-moi de moi. Ok.
Donc la jeune dame me dit ceci. Quand elle a découvert ce que je dis sur ma page, elle appelle sa mère, elle dit, maman, j'ai une femme que je suis ici là, voilà, elle a parlé du sel, j'ai pris le sel, j'ai commencé à verser. Sa mère dit, ah oui, 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 je connais, je connais. Sa mère comment elle dit que oui, tu prends même le sel, tu fais comme ça là, tu fais comme ça là. Elle dit à maman que, tu m'as jamais dit pourquoi. Écoutez, un Decepticon, je vais vous défi, pardon, définissez Decepticon ici là. Il y a les nouveaux venus, ils ne connaissent pas encore les Decepticons. Vos mères, vous avez les mères Decepticons, vous ne connaissez pas. Vous avez les pères Decepticons. Quand vous allez dire que papa, pas au village, fais ça sur moi. Oui, je connais, non, on ne fait pas comme ça, là, on fait comme ça. On ne fait pas comme ça, comme ça, on fait comme ça. Gasteco, je t'enlève de ma page, tu as compris? C'est ma page. Tu as compris, non? N'importe quoi. Pourquoi tu es comme ça? Vous avez les pères et les mères Decepticons. Ton père connaît ce qui va te sauver depuis longtemps, il t'a jamais dit. C'est quand tu vas chercher, tomber sur ma page. Tu vas m'écouter pendant 10 heures de temps. Vous savez que je bavarde beaucoup avant de dire les choses. Quelqu'un m'a écrit, je dis que oh, tu bavardes trop. Si tu partais à l'essentiel, je bavarde. Parce que c'est que les gens parmi vous, que si on ne bavarde pas comme ça, vous n'allez pas comprendre. Ça ne va pas entrer dans votre tête. Vous avez les soeurs qui connaissent certaines choses que je dis. Cela, elles ne vont jamais vous dire. Jamais. Eurofine, tu crois que ta mère ne connaît pas. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Si vous arrivez par la vidéo du lavage, mettez-moi les cœurs. Bonsoir. On s'appelle roi et reine ici. Donc, je suis la reine Jocelyne. Ok? Je suis la reine Jocelyne. Reine des choisis. Amen. Que Dieu me protège. Amen. Dieu m'a envoyé faire ce que je suis en train de faire là. Et c'est lui qui a mis sa main sur moi. Son sceau est sur moi. Il a mis son cachet comme ça là. Comme, ah, comme le bisou. Vous serez surpris de savoir qu'il y a les choses que je vous dis. Quand vous faites ça, vous aide. Vos mères connaissent depuis. C'est pour ça que ce n'est pas tout que vous allez partir dire à votre mère. Écoutez bien, c'est votre mère, non? C'est votre mère, non? C'est elle qui vous a accouché, non? D'accord. Commencez les définitions de Decepticon. Même vos pères, là. Vos pères, c'est pas à tous les pères qu'on dit tout. Ce n'est pas à tous les pères qu'on dit tout. Tu as un père qui est polygame, il a 3 femmes. Tu ne sais pas qui a pris son cœur. Tu ne sais pas laquelle des femmes a pris son cœur, là, maintenant. Tu ne sais pas là où son cœur est. Tu peux lui dire quelque chose, en fait. Il part sans savoir. Il part aussi, il expose seulement comme ça, là. Oui, l'enfant de la deuxième femme, là, oui, elle m'a dit qu'elle va faire le concours de l'ENAM, là, oui. Elle a un bon réseau, hein. Ton dossier va se perdre la nuit, là, tu vas voir. Ça va se perdre. Amen, Annie. Comme tu as sorti tes selles, là, il faut faire tes lavages. Tu fais ça, quoi, poupon. Oh, you are. Oh, tu te laves, que poupon. La femme me dit que elle a écouté 2-3 choses que j'ai dit. Ça a eu du sens pour elle. Ça a résonné. Je dis, mais attends un peu. J'ai 40 ans, on ne m'a jamais dit ça. Il y en a même parmi vous. J'ai consulté une aujourd'hui. Son père est gardien de la rivière dans son village. Je lui dis, est-ce qu'il y a un chien, une rivière dans ton village? Elle dit oui. Ok, va là-bas, tu vas voir le gardien de la rivière. Elle dit que mon père, que c'est dans notre concession. C'est mon père qui est gardien de la... Il dit que... Okay. Et tu souffres comme ça? Tu crois que quand elle va me dire... Quand elle va me dire que... Ou bien quand je vais lui dire, va faire ça, ça, ça. Que l'esprit me montre que toi, tu dois faire ça et ça. Il y a des choses que vous devez faire attention. Les enfants des voyants là. Que ma mère est marabout. Mon père est marabout. Tu es là, tu souffres depuis fond. Tu vois, tu lis l'heure.
ta mère voulait ton bien, pourquoi tout ce qu'elle connaît que tu dois faire, elle ne t'a pas dit? Un décepticon, c'est quelqu'un que il vient faire semblant. Il fait comme s'il t'aimait. Mais il ne te dit pas ce qui va te faire avancer. Je préfère que tu me dises, et je sais que ma mère me disait chaque fois de faire, moi je trouvais que, ah, je préfère. Au lieu de dire que ma mère ne m'a jamais dit. Elle ne m'a jamais montré. Il n'a même jamais vu faire. Elle dit, non, pas souvent au village, je fais ça pour la fla. La fille de quoi? De Maja. La fille de Ma, Kodon, elle, je ne sais même pas. Mais maman, pourquoi tu n'as jamais fait pour moi? Vous êtes là, vous souffrez. Certains de vos parents connaissent pourquoi vous souffrez. Ce n'est même pas le titre du message que j'ai mis là, que je parlais. C'est ça, ça sort seulement. Tu es en Europe depuis... ça fait 20 ans. Voilà vos mails alors, je n'ai même pas... que prie ma fille! Ne tente pas de me dire de prier. Que prie! Et quand elle te dit prie comme ça, tu as une mauvaise sensation dans ton cœur. Tu dis, mais j'ai déjà prié depuis 10, 15 ans. Tu m'inscris à la catéchèse, j'avais 9 ans. J'ai 38 ans aujourd'hui. Tu me dis encore de prier. Tu me dis encore de prier. Ma fille prie. Ma fille prie. Quand elle dit, pardon, écoutez-moi. Écoutez-moi. Prie. Tu as prié, la prière t'a prié. Tu es toujours là. Tu n'as toujours pas les papiers. Tu fais même les cauchemars, tu te vois même dans le cauchemar, tu n'as pas les papiers. Même dans ton rêve qui est beau avec le soleil dans le rêve, tu ne vois pas les papiers. Que tu pries toujours. Car c'est le guet-apens, c'est l'embuscade. On vous a embouché quelque part là. Vous ne savez même pas. Ta mère est marabout. Ton père est marabout. Donc tu lis l'heure. Gars, moi il te dit pour moi mes choses. Il te dit, il ne dit pour moi. Parce que quand j'étais petit, j'ai suivi tous tes conseils. Avant qu'elle parte en Europe, tu m'as amené au village. Si tu m'as même amené. Tu as le visa, on t'amène, on va faire des courses. On achète le haricot, on achète ceci. Même t'as acheté un sel pour les bains. Même te faire un lavage. Même t'as amené peut-être même dans une concession au village. Dès que tu mets tes bagages au sol en Europe comme ça, là, tu commences à lire l'heure. La reine Loné, là, je vais super bien. Je vais hyper bien. Quand tu envoies l'argent, c'est quel nom? C'est le nom, mon nom, non. C'est Nyogem Kuo Jocelyne. Reine Jocelyne. Donc, tu vas voir ça, Nyogem Jocelyne, ok? Problème de quoi? Tu arrives en Europe, un an, ça ne marche pas. Deux ans, ça ne marche pas. Chaque fois que tu appelles la mère, tu dis qu'elle a l'église, elle prie. Tu attends. Tu rencontres trois personnes en deux ans. Petite relation, pian, on te jette au champ. Petite relation, pian, on te jette au champ. Petite relation, pian, on te jette au champ. Tu pleures, après tu te remets encore. Tu as encore espoir. En attendant, tu as deux enfants. Je veux que, avant de me contacter, même si vous ne me contactez jamais, diagnostiquez votre propre vie. Je suis là pour réveiller votre... je vais vous réveiller.
Il y a les parents qui n'encouragent pas. Et vous, mais vous savez quoi? Vous savez que j'ai consulté, qui disait que son père est gardien des eaux de leur village. Le genre de parents, là, le problème, c'est que si tu consultes et puis tu dis qu'OK, il faut aller faire un truc au village, tu vas te retrouver, tu vas aller, tu vas dire aux parents, les parents comme ça, dire que non, il faut plutôt faire comme ça, là, il faut plutôt faire. Dieu est lent pour réagir, mais il finit tôt ou tard. Il ne faut jamais baisser. Dieu n'est pas lent, hein, monsieur Alex. Moi, je te dis, tes commentaires me font toujours un genre. Tu sais quoi? J'ai trop résisté la fessée. Je vais te bloquer. Dieu n'est pas lent. Qui t'avait ça? Dieu, Dieu, ça veut dire quoi, Gansop? Explique-toi. Si il doit te bloquer, te bloque. Cache. Comme ça, vous faites pour endormir les gens. Dieu est Dieu. Dieu est lent. Qui vous a dit que Dieu est Dieu? Attendez. Je voudrais qu'on raisonne ensemble. Je construis la maison. Je suis Dieu. Construis la maison. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Je construis la maison. Je finis tout. Il dit que Jésus est venu, il meurt, tant, tant, tant. Il achète tout, il te donne. Il prend la clé. Il te dit, voilà la clé. Si tu penses que tu as la bonne clé, à ton avis, il te faut combien de temps pour ouvrir la maison et entrer? Question à 500 francs CFA. Ou bien, je ne sais pas. Si tu as la bonne clé et que tu n'es pas handicapé, tu n'es pas lépreux, c'est-à-dire tes doigts peuvent tourner la clé là, il te faut combien de temps pour ouvrir la porte là, entrer? Arrêtez de mentir sur Dieu. Pardon, répondez. Non, Denise, je ne sais pas que ce sont de faveur, je l'observe depuis longtemps. Ne t'inquiète même pas. Quand vous commentez, vous observez. C'est pour ça qu'il y a les Decepticons qui ne touchent jamais leurs commentaires. Ils ne touchent jamais leur téléphone quand ils me suivent. Ils savent que si ça ne va pas, je les bloque. Lui, je l'observais depuis longtemps. Donc, ne te dérange pas, ne viens pas le défendre. Ok, n'a déjà dit pas une minute. Avec la bonne clé, tu ouvres la porte en quelques secondes. Ok, continuez. Dès que tu as la clé, tu entres directement. Ok, continuez. Maintenant, écrivez vous-même. On vous a lavé le cerveau. Non, il faut d'abord. Il faut d'abord. Vous n'avez pas la bonne clé. C'est tout. Même pas 2 secondes. Ok. Vous pensez qu'il vous faut encore 5 ans avant que votre business boom, avant qu'on achète vos produits en désordre. Pardon, écrivez là-bas vous-même. Tant que tu ne débloques pas dans ta tête, Jocelyne, s'il te faut 3 minutes pour ouvrir une porte, c'est que tu vas pisser sur toi. Parce que quand tu rentres souvent à la maison, tu as envie de pisser, tu as envie d'ouvrir la porte. Ça ne fait pas 3 minutes. Thank you. Chez c'est quoi là? Wes Khalifa, je vais te donner le jus. On vous a lavé le cerveau. Vous regardez votre situation. Il me faut encore 10 ans pour avoir les papiers. Il me faut encore. Avant que je me marie, il me faut encore même. Je veux rencontrer le gars, on va encore même faire 5 ans de relation. Regarde ton âge, tu as 40 ans. Tu as 40 ans. Donc il faut encore 5 ans de relation. Écoutez, je vous dis que moi, quand Dieu m'a appelé, il m'a montré que 10 ans, il transforme ça en 3 mois. Dans quelques mois, je vous montrerai avec les preuves à l'appui. C'est parce que quand je n'aime pas vous montrer mes revenus. Mais dans les gens qui sont dans les groupes un peu plus privés, je montre.
Les choses que tu n'étais pas en mesure de faire en 10 ans, 15 ans que tu es en Europe. 2 mois. Le terrain que les gens prennent, ils payent. Ils prennent 5 ans pour payer le terrain. Après, ils prennent encore 20 ans pour construire. Tu te places en 6 mois, tu achètes le terrain. Tu fais la construction. Jusqu'à le 6e mois, tu es en train de toller. Je vous dis. Je vous dis. On vous a menti. Les gens sont là, ils vous bloquent. Ils vous bloquent. On a mis dans votre tête que comme tes papiers là, tu dois faire même 10 ans avant d'avoir ça. Tu es obligé d'aller souffrir. C'est pour ça que vous n'osez pas. On t'a dit que ton business que tu as commencé là, tu as besoin de... Il faut d'abord... Vous voyez un peu comment vous parlez souvent sur le business. Que tu sais... je viens encore de me lancer. Je viens d'ouvrir le magasin. Et si tu ouvres ton magasin la première semaine, les gens entrent, ils achètent comme les fous. Qu'est-ce qui va se passer? Vous ne connaissiez pas. Vous étiez bêtes. On va vous faire payer les trucs. Achète ceci, tu mets là-bas. Mets les décorations là-bas. Ou fais ceci dans le shop. Tu oublies ce qui va amener les clients dans ton shop. Tu es là, élan, tu pars. Tu ne sais pas que tes voisins qui sont sur la rue là. La nuit là, ils vous touchent. Ils passent là-bas. Ils versent les encens, les choses sur tous les magasins qui sont dans la rue là. Comme ta part est sur la rue. Tu t'assois le matin, du matin jusqu'à 13h. Un client entre, bonjour madame. Il regarde, après il sort, il part. Tu es là, tu te dis que ouais, ça va aller. Il faut encore même peut-être 3 mois. Chaque matin, tu te lèves, après tu te demandes que ouais, je vais payer le loyer comment? Depuis 2 mois, je suis en train de travailler dans le magasin ici. Je n'ai même pas pu payer le loyer du magasin avant de payer ma part de loyer. Tout ce que vous dites là, j'ai fait. J'ai fait. Après, tu te retrouves encore en train d'accepter les avances d'un. Je ne veux pas appeler Kona. Qu'aucun de mes ex ne croit que je l'appelle Kona. Mais bon, tu acceptes les avances d'un Kona. Parce que tu sais qu'il va t'aider à payer le loyer à la fin du mois si en attendant le mois prochain. Ma chérie. Ma chérie. On t'invite le soir. Tu n'as vraiment pas envie de partir. Tu te dis, ah, à la fin de la soirée, quand il me dépose, je peux lui demander une avance même comme ça là, pour payer mon loyer. Voilà la fin du mois qui arrive. Non, on vous a fait ça dur. On vous a fait ça dur. Si une femme m'écoutait, si tu es marié, il y a de fortes chances que tu divorces. Parce que tu vas vouloir faire les choses que ton mari va dire que non, non. Tu commences comme ça là, pam, 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 faveur. 1 million, 2 millions, tant que tu tombes sur un réseau de quelque chose. On te dit, madame, terrain, on te... Écoutez, ceux qui sont dans le groupe privé avec moi, vous savez quelque chose que je ne veux pas dire sur WhatsApp. Mais je sais de quoi je vous parle. Europine, l'homme paye le loyer jusqu'à ses sucrés. Mais il ne paye pas avec les obligations, genre, tu dois le supplier tellement. Il y en a parmi vous. Vous êtes dans les relations, c'est vous qui faites tout. Parce que ton attirance est partie. C'est toi qui dois supplier même l'homme. Je ne veux même pas ouvrir la page d'aujourd'hui. C'est toi qui négocies la relation. Tu demandes les deux, ils te quittent. Oui, oui, oui. Eurofine, quand tu me dis derrière ta part comme ça là, je vois derrière ça sur toi, mamie. Je te dis, on nettoie ton attraction. Directement. Confiance en soi. Écrivez-moi sur WhatsApp là-bas. Je vais vous donner le. Je vais vous envoyer le lien pour le groupe. Si vous êtes décepticon, ne venez pas. Hein. Un décepticon, c'est quelqu'un qui vient. Il vient te tester. Je les bloque tous les jours. Même si j'ai mon fils spirituel ou ma fille spirituelle. Si tu soulèves ta cape, tu dis Decepticon, je te bloque.
Je te bloque à débloquer you. Je n'ai pas l'énergie à mettre sur vous. Absolument pas. J'ai épinglé le numéro là-bas, non? Hier, je vous ai montré le lavage. Faites le lavage là, s'il vous plaît. J'ai mis les sels. Même si c'est seulement le sel de mer que vous avez, prenez, vous lavez. C'est la base. C'est l'étape 1. Il y en a parmi vous, on cause avec vous 2 minutes comme ça là. Vous ouvrez tout de votre vie, vous donnez aux gens. On ne montre pas tout aux gens. On ne montre pas tout. Il y a certains gars que X commence à sortir avec toi. Il voit que tu es parti jouer à la loterie américaine. Ah, ça veut dire que tu veux partir aux États-Unis. Hein. Il commence à faire la jalousie sur toi. Il commence à te donner les mots pour te grabaisser. Tu es grosse. Regarde-toi là-bas. Tu vois, bah, tu fais quoi aux États-Unis là-bas? Tu ne vas jamais avoir tes papiers. Tu ne vas jamais te donner visa. Jalousie. Voilà un décepticon. On t'a qu'à attacher des relios. On t'a qu'à attacher des relios. Dès qu'il t'écrit, tu es là en couture, couture. Certains d'entre eux se nourrissent de votre énergie. Quand il ne va pas bien, il faut qu'il vienne te dire des mauvaises paroles. Quand il te dit ça, ça te descend. Lui, ça pas monte. Identifiez les gens autour de vous. Jocelyne, je ne donnerai pas de lien de groupe WhatsApp. Parce que si elle vous donne le lien, ça fait vous entrer directement. Je ne veux pas. J'élimine même les gens de ce groupe-là. Les marabouts qui me regardent là, avant de mettre vos publicités ici là, écoutez ce qu'il dit, lavez-vous avec le sel marabout. Vous allez voir, les clients vont venir. Pas venir gâter le direct déjà. Il est temps que vous deveniez consciente. Ne dis pas que mon père ne m'a pas montré. Ma mère ne m'a pas montré. Tu tombes. Écoutez, on ne s'attire pas par hasard. Vous m'appelez tout dans la journée. Il y a une dame qui m'a appelé aujourd'hui. Je vais vous donner 2 témoignages. Une dame me contacte, elle me dit. Elle a écouté le direct que j'ai fait dimanche. Je parlais de l'esprit serpent. Et quand elle écoutait, elle toussait. Elle toussait, elle toussait. Après, elle était délivrée. Juste après ça, on lui a envoyé beaucoup d'argent. Elle m'envoie le direct, la photo, l'audio. Elle me dit, wow, maman, merci. Merci, depuis que je suis tombée sur ton direct là, vraiment, voilà l'argent que j'ai reçu. J'ai plein d'argent ici là. Je vais envoyer ta part. Elle part, elle envoie. OK. Une autre, elle m'a contactée, ça fait 2 mois. Elle a payé. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver sur la page-ci. Abonnez-vous, mettez votre cloche et tout ça là. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez ma vidéo. Si vous n'avez pas 25 000 pour la consultation, partagez au moins la vidéo. Donc voilà, alors celle-ci, elle me contacte, ça fait 2 mois. Elle me donne son... Elle paye la consultation, hein. Martine, tiens, tu, j'ai mis mon WhatsApp. Relevez mon numéro WhatsApp, s'il vous plaît. 680-710-701. Voilà le numéro WhatsApp. 680-710-701. Donc, elle me contacte, elle appelle, paye sa consultation. Mais, certains d'entre vous, quand vous payez la consultation, hein, il y a les esprits qui ne veulent pas que je vous parle. Parce qu'ils savent que quand ils veulent vous parler, là, vos yeux vont s'ouvrir. Il y a les esprits qui ne veulent pas que votre argent là, passe dans ma main. Parce que du moment où votre argent quitte votre poche, ça touche ma main. Écoutez, même avant qu'elle vous parle, l'onçon qui a sur ma vie, la parle dans votre vie. Vous êtes déjà libéré. Donc, elle me suivait toujours de temps en temps. Il y a cela 3 jours, non, peut-être 6 jours. J'ai parlé du sel. Elle a pris le sel. Elle a aspergé à la maison, elle s'est lavée avec l'autre. Le lendemain, elle s'est levée, elle a dit que tu vas me consulter aujourd'hui. Le sel a enlevé l'appétit. Donc, la lourdeur qu'on avait mis sur elle, chaque nuit, on venait mettre là.
Le sel a enlevé pour ça pour la nuit là. Elle me contacte, pam, elle dit, tu dois me consulter. Me voilà, elle la consulte. Mes consultations varient. Il y a des moments où je consulte à 20 000, il y a des moments où je consulte à 30, 40 000. Tu as compris, ma chérie? Voilà. Donc, si quelqu'un ne peut même pas déjà payer la consultation, il y a même les consultations qui font 50 000. Voilà. Donc, si tu ne peux même pas payer la consultation, c'est que ça. Tu m'écoutes seulement si tu fais ce qu'elle dit sur la vidéo, si c'est bon. Donc, là, voilà, maintenant, elle me contacte. Le jour où on est censé se voir physiquement, parce qu'elle vit à Douala, la soeur de sa nounou, la nounou de ses enfants meurt. Vous voyez comme le diable va vous chercher, non? Du coup, la femme ne vient pas au boulot. Et la femme, en fait, elle démissionne le jour-là même. Alors qu'elle est censée lui laisser les enfants pour venir pour sa consultation. Bonsoir, la reine Rose. Bon, merci pour le partage. Là, voilà, elle m'appelle, elle me dit que c'est chaud. Ma ménagère, la nounou n'est pas venue. Mais on monte, on descend, tu vas me consulter aujourd'hui. Je lui dis, on va faire appel vidéo. Nous voilà donc sur l'appel vidéo. On commence. Ouais, Seigneur, vous faites quoi dans ma vidéo? On commence. Blocage, lourdeur. 40 ans, elle vit encore chez la mère. Avec 3 enfants en charge de la mère. Vous connaissez toute la paperasse. Et le truc, c'est la particularité chez elle, c'est que quand elle était le père de ses enfants, elle a pris un crédit à la banque. Et c'est sa mère qui les avalisait. Maintenant, comme elle n'est plus avec l'homme, loin des yeux, loin du cœur, le père ne paye plus, il ne paye plus le crédit. Là, voilà maintenant. Elle me dit, ça fait 9 mois qu'on n'a même pas fait un versement à la banque. Europine, je vais t'enlever. Je ne veux pas les gens qui sont pauvres sur moi, tu m'en dirais. Tu as compris? Je vais t'enlever. Tu continues avec tes commentaires de pauvres, là, je vais te supprimer. Tu as compris, non? Voilà. Je ne veux pas les commentaires de pauvreté ici. Ne me bipez pas. On ne bipe pas mon téléphone. Les bipeurs, là, vous n'avez pas l'argent. Ne me bipez pas. Ne venez pas me dire que je réduise le frais des consultations. Je ne veux pas. Esprit de pauvreté, restez à distance. Regardez-moi seulement dans l'écran. C'est tout. Voilà. Vous m'écoutez, vous faites ce qu'elle dit, votre argent va augmenter. Quand vous avez un temps d'argent, venez me payer, vous me parlez. Mais ne venez pas avec la pauvreté pour me parler. C'est bon. Donc, voilà la jeune femme, donc. Elle est endettée. Sa mère qui a pris le crédit pour donner à sa fille et l'ex-mari. Et l'ex-mari a fui. Il ne la contacte plus, bien évidemment, il ne donne plus d'argent pour les enfants. Vous savez, l'esprit de pauvreté, c'est quelque chose qui fait que là, par exemple, Europine, tu vois, l'esprit de pauvreté, ça vient d'un manque de confiance en soi. Je te décris juste ce qui se passe. Je suis passée par là. Tu as peur de libérer ce que tu as dans ta main. Même si c'est 5 francs, parce que tu ne sais pas si ça va encore venir. Tu es tout le temps en train de t'excuser, en train de... Tu as même quelque part, tu as même peur. Ok, tu attends encore de t'asseoir. Tu ne peux pas t'asseoir. Il y a cette peur constante. La pauvreté fonctionne beaucoup avec la peur. C'est pour ça que je vous dis que les lavages vont enlever la peur dans vous. Tu vends même ton produit, tu arrives, tu présentes au client. Après, tu dis encore au client que... Non, tu sais quoi, n'achète plus. Demain. Tu ramasses tes preuves, toi-même tes produits, tu pars avec. Alors que tu venais pour vendre. C'est ça l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté n'est pas bold. Give me the money. Give me. This is 200,000. Yeah. How are you paying? Cash or check? Comprenez, non? Ok. Donc là, voilà qui... elle me raconte son histoire. Non, j'écoute. Je lui dis que, ma chérie, voilà les selles, tout ça. Tu l'as enlevé, tu l'as payé ça, tu te laves avec. Elle a vidé son OM et son Momo. C'est là qu'elle a son argent. Elle a payé les produits. 17 000 quelque chose. Elle me dit, maman, je vis de mon compte. Je lui dis que tu ne vas pas mourir. T'inquiète pas. Tu ne vas pas mourir. Paye ce que tu dois payer. Fais ton travail. Elle a pris les produits. Elle est partie faire le travail pour couper les fondations négatives. Elle a fait tout ça. 5 jours plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, elle m'écrit le message. Elle me dit, le père de mes enfants m'a donné 600 000 francs. Donc, il est resté comme ça, hein.
Il m'a envoyé 600 000 francs CFA que je n'ai pas payé les crédits. Je n'ai pas donné, déposé à la banque pour le crédit de 2 millions qu'on devait à la banque là. Depuis 9 mois, il n'a pas fait de paiement. Elle a pris l'encens call money. Elle a brûlé. Le gars est resté. Elle n'a pas appelé pour dire que donne-moi l'argent, paye. Vous croyez que vous devez appeler vos créanciers avant qu'ils vont vous payer? Ce n'est pas ça votre problème. Ce n'est pas ça votre problème. Donc il a appelé, il a dit voilà 600 000 francs, tu peux donner à la banque. Ça fait 9 mois, il n'a pas fait de paiement. Vous dites que votre argent, il y a votre argent là-bas dehors jusqu'à. Les clients ont votre argent dans leur poche. Ils attendent que vous mettiez votre produit en ligne. Il y a une, elle me dit tout à l'heure là que elle a acheté les produits, elle a les mèches à la maison qu'elle ne vend pas. Elle a les ceci, mettez en ligne. Écoutez-moi. Vous m'écoutez maintenant, non? Faites ce que je vous dis. Faites ce que je vous dis de faire. Prenez l'eau là, vous mettez le sel dedans. Vous parlez. Vous prenez l'eau là comme ça, là, vous aspergez sur votre marchandise. J'espère que ce n'est pas la marchandise qui se dissout. Parlez à la marchandise là, que je te commande que tu sors de ma maison. On te vend. On te poste. On t'achète. Vous savez pas qu'il y a les gens qui se lèvent souvent. La personne se lève et il dit que j'ai envie d'acheter. Je vais acheter la bougie. Tu vends la bougie. Hein? Il a oublié que tu vends la bougie. Il va aller quelque part acheter. C'est en rentrant qu'il passe et dit oh, donc tu vends les bougies? Oui, je me rappelle, il y a 3 mois, tu m'as envoyé le message, tu m'as dit que tu vendais les bougies. Oh, j'ai acheté mon stock de 6 mois là pour la maison. Hein. Ouais. Ma fille, du courage. Hein. On sait que tu es photographe. Hein. Ils font les cérémonies tous les week-ends. On ne pense pas à t'appeler que tu viens faire des photos. On va te dire achète l'encens. Tu vas dire ah, je maîtrise. Prends le sel de 50, tu te laves avec. Je maîtrise. Maîtrise. Maîtrise bien. Bête comme ça là. Bête. Je vous ai dit que vous montrez quelques outils que vous êtes censé avoir, non? Bonsoir, monsieur Chenjo. Puis, toi qui disparais, tu fais comme le clignotant, là. Vous-même, là, je ne blague pas avec vous. Hein. Je vous dis. Bah, vous venez me tester, vous croyez que vous venez me tester, vous avez menti. Les outils de base que vous devez avoir. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous avez les problèmes avec la croix. La croix vous a fait quoi? De ces petits cônes là. Vous devez avoir ça. Quand vous priez à la Vierge Marie, demandez-lui de défaire les nœuds qu'il y a sur votre vie. Quand tu fais ça, tu mets avec le sel. Il y a le sel jaune qui est Marie qui défait les nœuds. Une fois, j'ai eu un rêve. J'ai vu Marie là-dedans. Elle était assise comme ça là. Tu vois comme quand tu. Voyez un peu ça comme les petits nœuds qu'on a attachés, les boules qu'on a attachées. Elle était assise, elle faisait clic. Elle ouvre clic. Elle ouvre clic. J'entendais la voix qui disait Marie qui défait les nœuds. Clic. Clic. Maman, les Français, vous êtes bêtes seulement. Je vous parle depuis ne pas m'appeler, vous appelez toujours. Appelez-moi après. Marie était là, défaisait les nœuds. Votre vie a comme ça là même 50 nœuds. 50 fois. 50 fois, 50 c'est là. Ça fait le nombre de nœuds dans votre vie. Qui a défait. Invoquez beaucoup Marie qui défait les nœuds. Beaucoup. C'est votre mère. Et ce qu'elle veut dire comme ça, les athées ou bien les vont dire ah ah. Écoutez. Hein. Même si. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train d'expliquer. Faites seulement.
Tu n'as pas besoin qu'on t'explique la loi de la pesanteur. Tout ce qu'on veut, c'est que tu obéisses à la loi de la pesanteur. Ne pas pas sauter du 20e étage. Ne pas pas sauter. C'est que tu vas mourir. Donc arrêtez de vous dire que je dois d'abord comprendre. Si je ne comprends pas, je ne fais pas. C'est ce qui te tue depuis là. C'est ce qui fait que tu es là, tu ne vends pas tes produits. Le gars vient, a pris part. Le gars vient, il tourne, part. Il te laisse. Pourtant, tu es belle. Tu es une dolée. Première chose, j'ai dit, vous devez avoir le chapelet. Béni. Deuxième chose, pour ceux qui ont le commerce, je n'ai pas les courriers sur moi. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai mis sur mon chapeau. Vous connaissez ça, non? Monsieur le chapeau, tu sens bon. Voilà. Vous les chargez de votre énergie positive. Vous priez. C'est que si vous pouvez les mettre, le vrai, ne prenez pas le faux, parce que le chinois fabrique ça. Vous prenez ça, vous mettez dans votre porte-monnaie. Ok. Mon numéro, c'est le 00236 8 0 7 1 0 7 0 1. Si tu n'as pas noté mon numéro, tu peux sortir du direct. Tu as compris? Ça veut dire que tu es venu pour déranger. On t'a dit que c'est épinglé en bas là-bas. On t'a dit, si tu n'as pas noté, pour partir. Voilà. Donc les courriers là, vous en prenez au moins un. Un, ça va, c'est passable. Mettez là où vous mettez votre argent. Parce que, et quand vous touchez votre argent, bénissez-le. Peut-être si vous avez un salaire qui arrive en une fois, ou bien la recette de la journée. Vous m'entendez, non? Vous m'entendez, non? Le volume est bon. Il y a les faux coris, ma chérie. Le chinois fait les faux coris. Donc bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, se disent, mais c'est qui ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait? Je vous donne quelques outils spirituels que vous devez avoir, quelques astuces. Quand vous recevez votre salaire, n'oubliez pas. Vous prenez le salaire, là, vous mettez votre main dessus. Je bénis ce salaire. Je déclare que je ne vais pas te dépenser. Tu ne vas pas t'évaporer sans que je vois ce que tu as accompli dans ma vie. Je vais accomplir de grandes choses avec toi. Tu es la semence que je vais planter pour pouvoir construire de grandes choses. Pour recevoir, je vais t'investir, je ne vais pas te jeter. On ne va pas m'appeler à l'improviste pour me dire, oh, telle maladie, tu es la seule personne qui peut nous aider. On prend la moitié de ton salaire, comme ça là. Une fois que tu as prié ton salaire, sors ta dîme, tu payes. Je sais que la partie est due pour certains d'entre vous. Sors ta dîme. Pas payer. Là où on te nourrit spirituellement. Pas seulement à l'église que tu pars pour te montrer, pour monter ton habit. Va là où on t'ouvre les yeux spirituellement. Tu donnes là-bas. Certains parmi vous, vous passez seulement sur ma page. C'est pas bon. C'est pas moi. Donc, c'est pas moi qui reçois votre dîme. Cherchez la personne, localisez la personne. Ça doit être là où vous êtes nourri, là où vous, tu sais que quand j'écoute la personne, c'est là. Je sens que le monde m'appartient. Je sens que... Va là-bas, tu donnes ta dîme. Le reste d'argent là, tu vas le mettre... L'endroit où tu vas te déposer, si tu déposes un endroit. Et si tu déposes un endroit, tu peux... La carte bancaire qui est liée au compte là, la carte là, tu la déposes à côté d'un endroit où il y a les cours ici. Mais un courrier, ça va. Hein. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Tu peux aussi mettre parfois du sel, le sel de mer, là. Tu mets ça dans ton armoire, là où il y a ton,
là où il y a ton argent. C'est vrai que c'est les Africains qui gagnent tout l'argent dans la moi. Mais bon, en Europe, tout le monde a le compte bancaire. La carte bancaire, là, tu te poses à côté. Ou bien tu mets ça dans ton porte-monnaie. Voilà. Il y a aussi le jujube que vous pouvez prendre, vous mettez dans votre sac. Vous connaissez le jujube, non? Je détaillerai un peu plus sur le jujube et l'autre version du jujube plus tard. Pas maintenant. Il y a aussi des petits trucs que vous pouvez avoir avec vous, hein. Des petites pierres. Oui, la feuille de laurier aussi. Il y a des petits cristaux comme ça. Tout ce qui va conserver l'énergie. Parce que il y a des énergies négatives qui viennent. Je sais qu'il y en a ici, vous parlez le clou de girofle, toutes ces choses-là. Le jujube, oh là là, je cherche ça ici. Attendez, je vais vous chercher ça. Ah, le jujube. C'est vrai quand même que l'ail, ce serait quand même un peu... Tu prends juste une petite partie. Bon, vous savez quoi? Si vous pensez que vous allez aller bomber votre porte-monnaie avec tout ça là, bon. Bonsoir à la reine Corinna depuis l'Afrique du Sud. C'est ça le jujube. Bon, les gens que je suis en train de poster vos articles, que je suis en train de mettre ça là-dedans. Il y a le jujube ici, il y a le gros truc là, il y a un autre comme ça, ça pique, c'est rond. C'est comme le jujube, mais c'est court et c'est rond. Donc ça aussi, je vous envoie. Oui, je vends les jujubes si je vous les envoie aussi. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Je ne vais pas décrocher. Là, on m'appelle sur WhatsApp, je ne sais pas comment. Ok, vous appelez ça le nom, hein. Ok. Chaque bâtiment a son nom. Ça là, on n'ouvre pas ça devant, on ouvre ça derrière. Ne venez me faire vous abrir. On n'ouvre pas ça devant, ouvrez pas derrière. Et en ouvrant, vous mettez vos vœux. Comme je détache ça là comme ça. Que ça protège, ça me protège. Que vraiment ça ouvre les portes pour moi. Voilà, que ça m'inspire contre toute attaque de l'ennemi. Tu vois, non, on ne... Et tu dois beaucoup méditer. Beaucoup. Oui, la gâte à pépé là aussi, oui. Tous ceux qui achètent les produits ces derniers jours, si j'envoie ça, je vous envoie ça. Vous en avez besoin là-bas. Voilà. Ok. Donc, je vous dis quelques outils spirituels, ok? Les chapeaux traditionnels. Bon, c'est vrai qu'il y en a, vous avez déjà commandé quelques-uns. Voilà les chapeaux. Il y a même ce que je porte. Donc, je vous ai dit, allez dans mes directs, vous faites les captures d'écran. Les chapeaux qui vous intéressent. Quand vous m'envoyez les photos, envoyez-moi aussi l'argent directement. Ne faites pas les trucs que vous envoyez. Après, vous dites que wow, wow, voilà notre chapeau. Donc, on vous poste ça. Voici un autre. Voilà. Ça. Ça là. Ça là, ça là, ça là. Même si vous ne comprenez pas, les démons comprennent d'autres aussi. Vous m'entendez? Oui, vous pouvez payer par Orange Money. Accrochez ça. Je vends aussi ça, mais accrochez ça dans vos chambres. Dans vos salons. La chambre de vos enfants.
Les cauchemars qui font la nuit là. On a une dame l'autre jour dans le groupe WhatsApp. Quand elle m'a contacté, on a fait la consultation. Elle se plaignait en fait qu'il y a un de son bébé de 10 mois. L'enfant couinait beaucoup la nuit. Vraiment. Elle se tord, elle se tourne, elle couine, après elle pleure. Je lui ai donné prescription de force. Lavage oh, de tous les enfants. Oh. Nettoyage. Oh. Elle a vidé la maison des habits bizarres là. Laver, asperger le sel à la maison. Ce matin, elle disait que ça fait 3 jours que l'enfant dort. Bon, c'est vrai qu'elle est un bébé, elle dort comme un bébé. Tu vois, quand l'enfant dort, après, c'est comme si elle a tapé dans son rêve là. L'enfant ne fait plus ça. Il y a beaucoup de combats que vos enfants mènent. Beaucoup. On a les chambres de vos enfants, mettez ça. Le sel de mer que j'ai montré hier là. Ah, voici même ça. Vous êtes chanceux, vous. Vous êtes chanceux. Sel de mer. Sel gros grain là. Mettez ça au coin de la chambre de vos enfants. Il y a des entités dans vos maisons que quand elles parlent, ils sont en train de m'écouter. Ils sont en train de vous influencer pour que vous ne fassiez pas ce que j'ai dit. Donc quand vous allez mettre ça, ça va d'abord calmer leur tête là, ça va d'abord couper ça. Au moins pour quelques jours. Vous me comprenez, non? C'est quand vous allez vous laver avec ça là que vous allez. Que l'argent pour payer ma consultation va venir dans vos poches. L'argent ne venait pas parce que les esprits là savent que si on lui donne les, on lui donne l'argent là, il va partir payer la consultation là-bas. On va lui dire. Vous prenez le sel, vous mettez dans les coins. La chambre a 4 coins, non? Vous déposez dans les 4 coins. En déposant, vous méditez. Que tout esprit mauvais qui vient déranger mes enfants, c'est la nuit. Sors de cette maison au nom de Jésus. Je vous ai dit quelques outils spirituels que vous devez avoir chez vous. Et dit quoi? Ça là, non. Mon petit Jésus, là, il est même quitté là-bas, je ne sais pas pourquoi. Moi, je te raccroche à nouveau. C'est vrai que tu n'es plus sur la croix, Jésus, parce que tu es déjà ressuscité. Mais, dans le cadre de ce direct, il faut que tu restes là-bas. Vous le mettez, vous l'accrochez. Ah, le clou s'y était quitté. C'est pour ça. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça brille la nuit. Et écoutez, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas le langage si que les démons ne comprennent pas. Oh, Sidonie, oh. Tu fais quoi dans mon direct? Eva, tu dis bonsoir, je sais, on se connaît où? Mais vous-même là, vous avez le. Vous... Hey, Seigneur. Bonsoir, Jocelyne. On se connaît où? Je sens qu'il y avait bloqué beaucoup de personnes ce soir. Bonsoir, Jocelyne. On a fait la 6e ensemble. Si vous n'avez pas peur de ça, les démons connaissent le langage ici. Les gens qui disent que le juste vivra par la foi, c'est comme ça qu'on vous cabosse. On vous cabosse là-bas dans vos maisons. Je vis pas la foi. On dit prends le sel. Non, fais le lavage. Non, je vis pas la foi. On te gifle dans la nuit bien même. Pas la foi. Va, tu sautes du 20e étage. On va voir si tu vas t'envoler. Il y a des lois. Il y a des lois. Arrêtez de croire que vous êtes spéciaux. Voilà, un autre outil dont vous avez besoin. Parlez à la femme si. Parlez-lui. Même si vous êtes athée. Eva, on était en colloque ensemble. C'était où? C'était à quelle adresse, s'il te plaît? Voilà. Il y en a parmi vous dans vos bureaux.
Vous devez avoir des outils. Vous me comprenez? Des outils comme ça. Vous bénissez ces objets. Contactez-moi une boîte, je vais vous dire ce que vous allez faire, comment vous allez faire. Vous pouvez juste mettre votre foi dessus, vous bénissez. Mais aussi d'autres choses que vous pouvez mettre dessus, ça. Comment? Ces choses, si vous les déposez dans votre bureau, l'ébène éloigne les esprits mauvais. Mauvaise énergie. Ça éloigne ça. Ok. Je vous ai monté les chapeaux traditionnels. Hier, je vous ai monté les bâtons de commandement. J'ai fait une vidéo sur YouTube et le lien est sur le truc ici. Tu as ma cocotte minute. Jesus. Eva, on était dans quel appart, s'il te plaît? Quelle adresse? Tu as ma cocotte minute. Ma belle cocotte minute que j'aimais tant. Hein, Eva? Ok. Regardez ma vidéo que j'ai mise sur YouTube. Je vous montre comment utiliser votre bâton de commandement. Et allez vous abonner sur ma page. Ok. Voilà. Je vous mets les outils dont vous avez besoin. Et ce que vos mères ne vous ont pas dit. Vous avez vu le sel, je vous ai montré le sel. Vous savez que le sel, c'est nécessaire. Je n'ai pas ton fait à repasser, mamie. Je ne suis pas venue au Cameroun avec quelque chose. Quand tu viens ici là pour me faire les trucs que tu as ma cocotte, j'ai ton fait. Je n'ai pas ton fait. Je ne suis pas venue au Cameroun avec fait de quelqu'un. Tu as compris, Eva? Et apparemment, mon direct ne t'intéresse pas. Donc, tu me fais, écris-moi inbox. Je vais t'envoyer 30 euros pour ton fait à repasser. Il ne faut pas venir mettre la honte sur moi, pardon. Tu as compris? Pardon. Tu m'écris en ébauche, tu me fais ton PayPal, je t'envoie l'argent. Pardon. Tu as compris, ma chérie? Quand tu viens trouver mon business comme ça, là, ça ne me plaît pas. Voilà. Moi, je parle cash, ça ne va pas et bloque. Mais tu me contactes, moi, je t'envoie ton argent, s'il te plaît. Parce que je suis parti là-bas, ça fait 2 ans. Tu as été médicalisé, ton fait à repasser. Ça, c'est des choses que je n'aime pas. Voilà. Ah, sur ce bâton, j'ai fait un rêve. Ben voilà, si tu as fait un rêve dessus. Beaucoup de personnes rêvent des bâtons. Beaucoup. J'ai des personnes à qui, je vous ai parlé de l'histoire de ce jeune homme, un de mes fils spirituels. Il n'est peut-être pas là. Il a pris le bâton. Quand je lui ai envoyé, avant que ça n'arrive même, avant que ça n'arrive, il avait rêvé, il s'est vu en train de déposer ça sur la tête de quelqu'un et les gens étaient guéris. Donc, il y a beaucoup d'utilisation de ce bâton de commandement. Il y a plusieurs types de bâtons. Ce n'est pas seulement ça. Il y en a avec le lion. Il y en a votre animal, c'est le lion. Ouais. Donc, il y en a plusieurs. Donc, j'ai des gens qui me demandent, est-ce que je dois être forcément avant d'avoir le bâton? Parfois, le bâton vient activer même vos pouvoirs. Tu prends le bâton parce que tu as le bâton. Il y a certaines facultés chez toi qui s'activent. Les outils spirituels, ça fonctionne dans le sens inverse. Vous vous dites toujours, c'est quand j'aurai les pouvoirs que je vais acheter les outils. Je viens vous dire, ce sont les outils qui vont maintenant vous activer. Le bâton s'est allumé comme une lampe pour te guider. C'est dans la Bible, ma chérie. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Va lire dans combien de fois dans la Bible. On a pris le bâton a ouvert l'eau. Écoutez, quand vous croyez que dans Exode, quand on dit que Moïse avait le bâton, c'était le bâton quoi? Vous pensez que c'était le papier? C'était le vrai bâton. C'est que vous partez des églises où on vous dit les gnignignignignin. Je pratique la Bible. Ok, Moïse arrive devant l'eau. Oh Seigneur, on fait comment? Par la foi, l'eau va s'ouvrir. Non. Dieu a dit, stretch your hand, stretch the bâton. Excusez-moi. Stretch de bâton. Et tend le bâton. Jesus. Vous êtes seulement têtu, vous êtes borné, vous êtes comment? Ouais. Continuons.
Tends le bâton sur l'eau. Quand Moïse partait pour parler à Pharaon, Gisèle complètement. Elle n'a pas besoin de savoir, hein. Sérieusement. C'est comme ça qu'elle était de rêve là. Pardon, interpréter son rêve. Elle n'a même pas lu d'abord ça. Jesus. Vous avez vu les. Pardon, continuons. Il a dit, étends ton bâton sur l'eau. Quand il fallait qu'il parte lancer les maladies sur ce qu'il y avait en Égypte, c'était à chaque fois avec le bâton. Quand Dieu appelle Moïse, il lui dit quoi? Lance ton bâton au sol. Dès qu'il lance, le bâton se transforme. C'était le vrai bâton. Je sais que vous pensez toujours que c'était le bâton. La Bible a dit bâton. Ne battez pas croire qu'il y a les interprétations spirituelles du bâton. C'était le bâton. Vos yeux vont s'ouvrir. Le truc, c'est que le chrétien aujourd'hui, il prend la Bible comme le virtuel. Il lit virtuellement la Bible. Combien de chrétiens, combien d'entre vous? Combien d'entre vous avez des choses qui disent là? Combien? Quand vous parlez, vous dites, ah! Ah! Et vous en faites pas dans mon église. Moi là, je vous force. La dîme là, tu payes pas la dîme là, je te chasse. Je vous dis moi. Pas votre truc qui vient sur Facebook ici, vous dit, oh, je vous supplie que payez vos dîmes. Parce qu'elle connaît que tu ne payes pas ta dîme, tu es bloqué. Quand tu vas venir au milieu, chacun va venir donner son témoignage. Hey, praise the Lord. Voilà, j'ai 1,5 million que j'ai gagné aujourd'hui, un contrat de 1,5 million. Hey, ça là s'est passé. Je sais que toutes les personnes là, vous payez vos dîmes, vous vous lavez, vous faites ceci, vous faites cela, on prie, on jeûne. Toi, tu ne fais rien de tout ça. Il vient te pointer là. L'honné là, je sens que tu vas entrer dans le groupe là, je vais te chasser. Je te dis moi. Continuons les outils dont vous avez besoin. Outils spirituels. Je vous ai parlé des bâtons. Il y a les bâtons avec plusieurs formes. Il y en a qui ont les animaux en haut. Ok? Voilà. Toutes ces choses aussi là, on voit ça plus profondément dans la formation spirituelle. La prochaine formation spirituelle commence le 10 décembre. Bon, là, j'ai d'autres avec lesquels je suis. On a commencé, ça fait déjà 5 semaines. Ouais. This is good. Et puis, on va finir dans 2 semaines. Approximativement. Donc, le 10 décembre, on va lancer l'autre. Donc, ça, c'est pour ceux que vraiment... Les outils et la formation, c'est 500 000 francs CFA. Donc, c'est pour ceux qui sont sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux, je vous en prie, ne venez pas. Ne venez même pas tenter. Voilà. Prochain outil spirituel dont vous avez besoin. Les encens. Les encens viennent sous forme de ça, ça ou de ça. Vous voyez, ça, c'est un carton. Ça, c'est mince et ça, non. Il y en a pour tout ce que tu veux. OK? L'encens, en fait, quand tu le brûles, qu'est-ce qui se passe? Je fais souvent mes directs ici, là. Je brûle mes encens devant vous, vous me regardez. C'est comme ça. Don, don, don. Oh my God. Oh my gosh. Bon, il y en a pour plusieurs. Il y en a parmi vous. Quand vous parlez, on n'écoute pas ce que vous dites. Votre bouche là, ça ne donne pas. L'honneur là, tu n'as pas l'argent pour me payer. Tu as besoin de te former là. Ne venez pas me dire inbox que je n'ai pas l'argent. Je n'ai même pas entendu ça. Ça me fait un genre. Ne venez même pas me dire. C'est pour ça qu'il y a des trucs qui vous donnent les prix ici. Ne venez pas me dire, il n'y a pas la réduction. I no one here that one.
On les encens. Yanel, comment tu vas? Ça, c'est ma cousine, hein, Yanel. Ça va? Tu viens en tant que qui? En tant que Decepticon ou en tant que qui? Parce que les Decepticons, je les bloque. Je suis passé à un autre mode sur ma page. Bon, vos encens, si vous regardez bien, vous allez voir la fumée qui va monter. Bon, je vais mettre sur mon visage, vous allez voir. Vous voyez? Hey! Hey! Decepticon, prononcez-vous, je vais vous bloquer. Il blague pas. Il blague pas. Il vous bloque une fois. Comment quelqu'un peut se mettre à 21h sur mon direct? Tu peux aller toucher ta femme. Tu peux aller voir la télé. Tu peux aller sur Netflix. Tu veux me regarder pour faire tes mauvais commentaires. Le monde de l'esprit. Bonsoir la reine de Gongan. Bonsoir. Bonsoir. On ne les voit pas. Mais il y a des choses qui les influencent. À votre avis, vous vous rappelez quand on était petit, on partait à l'église catholique. Quand le prêtre venait, il faisait. Il prend l'encens, il fait. Il passe, il fait ça. Il mettait devant tout ça. Quand il bougeait, ça fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je me rappelle de ça parce que je partais à l'église catholique. Et ça faisait tic-tac, tic-tac. Et ça sentait, j'aimais pas l'odeur. C'est vrai que les gens ont beaucoup bafoué l'église catholique. Bonsoir, Nashua. Beaucoup de gens sont moqués de l'église catholique. Mais quoi qu'il en soit, ils ont certains principes et certaines pratiques. L'encens, la poudre Saint-Michel, le parfum Saint-Michel. Parfum Saint-Michel. Allez dans votre église catholique, vous demandez, ils vont vous montrer. Je sais que quand vous avez grandi, vous avez dit, oh, on m'avait obligé quand j'étais petite. Maintenant que je suis grande, je n'ai plus besoin de tout ça. Allez chercher tout ce que vous avez parlé. Regardez le direct, c'est encore après. Je vais laisser ça ici. Asseyez-vous, vous regardez. Demandez-vous, est-ce que il y a un des trucs qu'elle montre que j'ai rejeté? On m'a dit, j'ai dit, ah, je maîtrise. Cherchez tout ça, là, vous mettez chez vous. Ce n'est que l'entrée en matière. Donc, comme je vous ai dit, les encens sont les petits bâtons comme ça, là, vous les mettez. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver sur mon direct. Vous avez remarqué que si vous avez vécu à côté de chez Zaoussa, les gens comme les Aouza sont les gens qui ont ces pratiques-là. Chez eux, c'est les trucs comme le salaka. Le salaka. Les encens. Et leur huile. Si vous avez remarqué, les musulmans, certaines personnes. Quand vous arrivez chez eux, peut-être il y a tout l'encens qu'ils ont brûlé, il y a un truc qui sent. Et dans leur banque, ils mettent toujours certaines choses. C'est seulement vous qui êtes simple, simple là, les simplons. Vous conjuguez le verbe simple. Je simple, tu simple, ils simpleront. On vous cabosse. Donc vous regardez tout ça. Tu parlais chez les Asiatiques. Les Asiatiques aussi, c'est dans leur routine vraiment. Et le truc, c'est que quand vous voyez, quand les chrétiens viennent parler mal des musulmans, ils disent que, voilà, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Nous, nous avons l'esprit de Dieu. C'est nous qui allons partir au ciel. Ouais. Ouais. Ouais, nous, nana. Joël Mayer, tu vas là où tu peux acheter des encens. Tu penses ce que tu vois. Maliens, Sénégalais, Gambiens. Les pentecôtistes viennent. Ouais, nous allons partir au ciel, vous n'allez pas partir. Ouais, Seigneur.
Ton voisin en haut, ça brûlait constamment. Quand tu viens d'aménager dans une maison, tu dois. J'ai un côté jamaïcain. Yes! On m'a déjà tout dit, l'autre, là, on m'a pas encore dit. Quand tu boules l'encens, en fait. Parce que. Vous êtes souvent arrivé dans une maison où un monsieur s'est engueulé avec sa femme. Dès que tu entres comme ça, là, tu sens l'atmosphère. Parce qu'il y a des paroles négatives. Qu'on est venu, on a parlé là-bas. Même ici au pays arabe, ils font mal avec les encens et les bougies. Ils connaissent déjà, ils ont compris les principes. Je vous ai dit que ce sont les principes. Ce sont les principes. Que tu sois blanc, noir, jaune, vert, catholique, musulman, pâté, le principe fonctionne. Tu as un problème cardiaque, que tu sois chrétien, catholique, musulman, on t'opère, on change le cœur, ça va battre. Donc je parle comme ça pour enlever vos limitations spirituelles. L'église de pentecôtisme ne m'a pas fait beaucoup, ne m'a pas trop aidé, pour être honnête avec vous. Ça fait, tu penses que tout le monde est. Tu penses que tout le monde est méchant. Tu penses que comme ils ne prient pas comme toi, comme ils ne confessent pas le nom de Jésus, alors qu'ils connaissent Jésus dans leur cœur. Ils connaissent Jésus. Comme il n'est pas évangélisé. Ok, vous avez monté les outils. Bon, j'ai parlé du sel. La bougie aussi. Oui, vous devez avoir la bougie. Vous avez compris. Bonsoir. Marianne, la bougie. Quand vous partez vous coucher, allumez votre bougie. La bougie, c'est une sorte de portail parce que c'est la flamme en fait, la lumière. Et aussi quand vous êtes devant la mer, quand vous êtes à la mer, c'est un portail. C'est là-bas que vous pouvez faire vos vœux. Prenez l'habitude d'exprimer beaucoup vos voeux. Beaucoup. Le problème avec les petites bougies, c'est que les petites bougies vont. Dans la nuit, quand je suis en train de dormir, ça va finir. Il faut encore changer. Par contre, les grosses bougies, il y a des grosses bougies que vous pouvez mettre. Et ces bougies-là vont prendre du temps avant de finir. Donc, c'est vrai que j'ai des bougies ici, les bougies Saint-Michel que je vends. Et aussi les bougies de Marie. Vraiment, c'est des bougies assez costaudes. Genre ça. Ouais. Quelque chose comme ça. C'est vraiment costaud. Donc ça, je peux l'avoir pour une semaine non-stop. J'allume le matin. Ça, c'est il y a pour le bureau, il y a pour la maison. Bon, ceux qui ont les business là, vous devez nettoyer votre business quand vous arrivez demain. Parfois, les encens, si vous avez des employés, vous allumez l'encens le soir avant de rentrer. Vous laissez ça brûler dans la nuit. Comme ça, le lendemain, quand les employés arrivent, que l'encens a fait son travail. Parce que il y a les gens que, parfois, ils viennent dans votre magasin, ils lancent les choses au sol, ils lancent les mauvaises énergies. Il y a les gens qui viennent intentionnellement, parfois, ils font sur toute la rue. Ça vous plaint. Donc, il y a les mauvaises énergies qui font que ça n'attire pas les gens. Quand les gens restent, ils pensent à votre magasin. Quand vous-même vous arrivez là-bas, vous êtes de mauvaise humeur. Donc, l'encens, si ça enlève, ça dégage l'atmosphère, des énergies négatives, toute électricité négative. Et si toi, celui qui a le shop aussi, tu t'es lavé aussi au sel, ça dégage ton énergie. Et puis, il y a aussi des poudres que vous mettez dans l'eau, même seulement le sel. Vous bénissez votre eau, vous mettez le sel dedans. Vous lavez le sol de votre magasin avec ça. En parlant. Parlez beaucoup. Parlez. Que toute personne qui ne veut pas que j'avance, toute personne qui a retenu mes clients, toute personne même qui détourne mes clients, spirituellement, il y a les détournements. Hein. Je récupère.
je récupère. La mère de Kevin, tu n'as pas les problèmes. Parce que peut-être quand tu te laves sans croire. Tu ne pries même pas assez. Le lavage au sel, ça a parfois deux trucs. Parfois, ça vient provoquer tes problèmes vrais. Genre, il y a un serpent là-bas, tu coupes sa tête. Est-ce que le serpent va dormir, dit que je meurs, je meurs, je meurs, je vous dis que je meurs. Non? Tu as commencé à faire comment? Pam, 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 pam. Dans tous les sens. Ce débat, taper, taper, taper. C'est comme ça, c'est pour ça que tes problèmes se déclenchent encore plus. Oui, le matin, tu éteins, non? Quand tu vas au boulot, tu éteins. Tu arrives maintenant dans ton lieu ou ton travail, là, tu allumes là-bas. Dans un petit coin. Mets les encens là-bas. Écoutez, si vous vendez, c'est bien. Vous avez compris? Si vous vendez vos affaires, c'est bien. Pas les affaires qu'on dit que non. Si tu arrives demain, tu vends. La semaine, si là, comme il reste encore quelque chose, tu vends. Tu veux pas, tu vends tout ce que tu as là, ça va me plaire. Il y a des gens que quand vous venez pour la consultation, je ne vous donne pas tout le même jour. Je te donne d'abord même sur 10 choses que tu dois faire, je te donne d'abord 2. Parce qu'il connaît que là où tu es là, c'est de loin même seulement 4 là, tu vas partir, tu vas tomber. Tu vas fuir, tu vas dire, oh, pardon, tu vas fuir. Je sais qu'il y en a parmi vous, c'est là, vous n'écoutez pas. Vous venez seulement là, je ne sais pas ce que vous faites. Vous regardez mes beaux yeux seulement, hein. Vous faites quoi alors? Parce qu'on vous pose encore les mêmes questions, les mêmes questions, les mêmes questions. Voilà. J'ai bien dit que vous devez vendre. Donc, alors, vous devez vous rappeler de ça. La reine Jocelyne a dit que vous devez vendre. Vous avez compris, non? Vous devez vendre. Et votre vente commence dans la tête de vos clients. Là où vous êtes là, ce n'est pas les publicités que vous avez besoin. Hein. C'est le niveau spirituel que ça doit changer. Certains parmi vous, vous avez des boules de peur dans votre ventre ici-là. Chaque fois, vous dites, ah non, mes clients ne vont pas venir. Ah, mes clients ne vont pas venir. Ah, mes clients ne vont pas venir. C'est pour ça qu'ils ne pensent pas à toi. Et aussi, j'insiste sur votre hygiène corporelle. Je vous en prie. Vous qui avez des magasins, achetez des beaux déodorants. Des bons déodorants qui sentent bon. Pas qu'un client vient, tu te lèves pour le servir comme ça, là, tu sens. J'ai dit ça hier comme si je blaguais dans le direct. Vous devez sentir bon. Vous devez sentir bon. Voilà. Pas forcément pour dire que tu peux dépenser l'argent pour t'habiller comme une pompon girl, je ne sais pas trop. Mais tu dois sentir bon. C'est la base. Que tu sois quand même attractif, non? Pas que, genre, que tu repousses les clients. Qu'est-ce que j'ai encore? Je pense que j'ai quand même fait le tour pour aujourd'hui. Bon, d'autres choses, je le dis dans les coins de cours privés. Donc, si quelqu'un vous montre qu'il est décepticon, croyez en ce qu'il vous montre. Certains sont vos amis pour l'instant. Quand ils vont voir que il y en a qui vont venir pour vous faire le chantage émotionnel, foncez pas. Moi, je vous dis encore, je fonce, on ne me fait pas le chantage émotionnel. Moi, je ne mets pas les organes. Je vous dis que j'ai fait la formation pour vous montrer comment on ne met pas les organes. Quelqu'un vient, que tu sois mon enfant, que tu sois mon neveu, que tu sois n'importe qui. Il ne vient pas, tu fais tes tantrums, tu fais tes phases de trucs, tu crois qu'il serait dans tes crises. Je ne suis pas dans tes crises. Ok, Karine, maman. Tu as le temps, hein. Je suis sûr que comme tu m'écoutes, là, il y a au moins deux choses que tu vas aller faire. Jesus. Ma mamie. Tu sais quoi, Karine? Les gens ont passé leur temps à l'église. Ils ont passé leur temps à l'église. Continue, Karine. Pardon, va. Repas. Tu as compris? Oh là là. Les gens cherchent les solutions ici dehors. Les gens cherchent les solutions. Il fait tout ça. On m'a dit que ne mélange pas ceci et ceci.
faut d'abord identifier clairement c'est qui maman. Quand vous lisez la Bible, ne lisez pas au premier degré. N'attendez pas qu'un pasteur qui a besoin que vous soyez, que vous restez en son église, vienne vous interpréter la Bible. Rentrez dans votre chambre. Mettez vos genoux à terre. Père, tout ce que je vous dis chaque jour ici, là, allez demander au Père. Il y a une dame qui m'a contactée, mais elle m'a vu dans son rêve. Qu'est-ce que je suis venue faire dans son rêve là? Et voilà. Elle me dit qu'elle m'écoute, elle m'écoute. Hier, elle est tombée sur la vidéo. Hier, elle a fait le truc du sel, le lavage du sel que j'ai dit là. Elle m'a vu dans son rêve. Elle m'a vu dans son rêve. Je suis venue lui dire, c'est bien comme tu as fait ce que j'ai dit, mais il y a une boule qui est ici en bas de ton sein. Tu as vu la boule là? Et elle dit que quand elle venait pour me voir, il y avait tellement de gens pour la consulter, j'étais tellement occupée. Il y avait une file d'attente longue. Ceux qui ont essayé de me prendre en consultation, vous avez vu que c'était difficile parfois. Certains d'entre vous, quand vous êtes vrai, demandez à Dieu, il va vous dire. Parce que vous êtes trop décepticon. Pour partir dans les églises. Pour faire que les pasteurs vous aiment. Parce que vous voulez l'appréciation, l'approbation. C'est l'approbation de Dieu qui compte. C'est le cachet de Dieu sur ta vie. Et son cachet, ça vient avec le résultat. J'ai servi. Hein. Quand le pasteur disait, well done, Jocelyn. Sister Jocelyn. Well done, sister Jocelyn. Hey, God bless you. Hey. Je crois qu'elle veut devenir comédienne. Sister. Je crois que Dieu va ouvrir ma voix. Que le pasteur m'apprécie. Je suis partie évangéliser. Hein. J'ai fait 4 heures d'évangélisation. Oh. Dieu va me bénir. God bless me. 6 mois. 1 an. 2 ans. 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Something is wrong. Quelque chose ne va pas. Ça fait 3 ans que je pars à la montagne, je sème. Je prends mes 1 mois de salaire chaque fois, je sème. Soit vous ne me montrez pas tout, soit je ne fais pas bien. Et vu la façon dont je m'applique, je sais que ce n'est pas moi la faute. Écoutez, je ne vous chasse pas de vos églises. Je prends la Bible pour vous enseigner souvent ici les soirs. Je demande demandez le discernement au Seigneur. Parce que l'esprit de vérité libère. Il dit dans Jean 10, verset 10, le diable vient pour égorger, pour voler et pour détruire. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Ça fait combien d'années que tu n'es pas dans l'abondance? On te console en disant que dans l'après-vie, les gens qui mangent la vie, les gens qui jumboum là, ils font le mal jumboum chaque fois. Dieu va les punir. Voilà avec quoi tu te consoles. Eurofine, tu as payé la consultation. Quand tu m'as dit comment il veut consulter là, tu as payé la consultation chez moi. Hein? On vient vous dire qu'ils vont souffrir dans l'autre vie. Ils vont souffrir, ne vous en faites pas. Souffrez maintenant. Souffrez. Tu souffres. Tu souffres. Il y avait des moments où je souffrais. Je donne une offrande qu'on s'est dit que ça fait trop mal. Je n'ai même pas les chaussures. Ta récompense est au ciel. Attends encore un peu. On sait un Dieu du tic au tac. Écoutez-moi bien. En journée, quand vous allez vouloir, parce que tout ça, c'est derrière dans vos têtes. On vous a tellement mis ça, les pasteurs qui prêchent en ligne là. Ils sont avec plein de ministères. Ils ont des millions d'abonnés sur Facebook. Vous les suivez chaque fois. J'ai commencé par eux avant que Dieu m'appelle aussi.
Pardon, quitte avec ça. Les voies de Dieu sont insondables. Je vais te bloquer. Te bloquer. Isaïe 43, verset 18. Regardez, je fais quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous le connaîtrez. Tu peux te lever le matin. Tu connais que today is the day. Seigneur, aujourd'hui, je sens, this is the day. This is the day. Ha, 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 ha. Oh, something good is happening. Hey, aïe, hey, la katarabaka shaka. I feel good. Quelque chose. Le Seigneur dit, vous le connaîtrez. I'm gonna tell you. Arrêtez vos trucs que les voix sont insondables. Quand on me disait ça, on sait, je me couche, je dis que ouais, Dieu, donc tu ne veux pas me parler. Je me tourne. Je me tourne. Seigneur, j'ai rêvé, je me vois sur l'or, je me vois en train de marcher avec la présidente de la République, avec la reine, la femme du mais je me vois avec Eto. Pourquoi je me réveille? Personne ne me connaît, je suis au fin fond. Pourquoi? Jesus. Prenez exemple sur les gens de la Bible. Dieu a appelé Abraham. Sors de la maison de ton père. Les petits deux immeubles qu'il voulait te donner là, c'est pas suffisant. Abraham, sors, sors. T'aimes Dieu. T'aimes. Il sort. Voilà comment moi, il me dit de moi la Bible. Hein. Pas vos trucs que vous partez vous asseoir. Gna 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 gna. Genèse 12, verset 1, sort. Genèse 13, verset 2. Abraham était riche en chameau, en ceci, en brave castle, en or, en argent. Dieu du tic au tac. Après Genèse 15, la Bible dit que Dieu avait béni Abraham en tout. Attendez, on dit encore. En tout. En tout. Ok. Je voulais faire 360 dégâts avec tout. Ok. Tout. Lisez la Bible, vous croyez ce que la Bible vous dit. Je suis catégorique là-dessus. Hein. C'est pour ça que quand quelqu'un, je vois quelqu'un qui est religieusement correct, quand il vient commencer à me faire ses pignes, je ne veux même pas entendre. Tu attends. Va voir. Joseph avait été fait 13 ans. Il faut aussi que je souffre un peu, peut-être même 13 ans. Avant de... Ouais, David avait... Il faut aussi que moi, je... Tu as déjà trop souffert. Ça fait combien d'années? Et je suis convaincue que ta vie change quand tu, changes, quand tu te rends compte que ce n'est pas le nombre d'années, mais c'est la clé. Je répète. Ce qui va ouvrir ma porte, ce n'est pas les années, c'est la clé que j'ai. Tu n'as pas le bon enseignement, tu n'as pas la bonne pratique. C'est pour ça que tu es bloqué. Je vais vous faire le lavage de cerveau. Je vais enlever tous les trucs qu'on vous a mis là. Quand elle parle, ça résonne avec vous. J'ai parlé avec une petite... Elle est du Burkina. Elle me contacte l'autre jour. Petite, elle a moins de 20 ans, de 30 ans. Tout ce qu'elle vous dit là, elle me dit, vraiment, tu sais, ça fait 5 ans que je pars à l'église. Je vois que le pasteur avance, mais nous, dans l'église, notre vie n'avance pas. Tout ce qu'elle vous dit là. Elle dit, après, non, moi, j'ai décidé. Voilà, j'ai commencé à écouter les vidéos de développement personnel. J'ai commencé, voilà, je vous contacte, j'ai payé ma consultation ici parce que moi, je sais que ma vie doit avancer, je ne comprends pas. J'ai dit, waouh, ma chérie, waouh. Franchement, je suis impressionnée. Tu réfléchis. Tu réfléchis. Tout commence là. Quand je te dis, pourquoi j'attends ici en fait?
J'attends qui? Tu as la bonne clé. Demain, quand vous allez partir ou dans votre magasin, vous allez vouloir perdre le temps là-bas, dire, oh, les clients ne viennent pas, oh, oh. Dites-vous encore ceci. Ce n'est pas le temps. Vos produits ne vont pas se vendre avec le temps. La clé. Vous n'avez pas les bonnes clés. Arrivez à un niveau où vous êtes fatigué d'attendre. Vous êtes fâchez-vous. Ma vie d'aussi avancée, c'est quoi ça? Premier enfant dans rien. Premier fils de la famille. 15 ans en Europe dans rien. Tu rentres au pays, tu peux entrer dans la maison des gens. Et quand ils voient même la lue des choses, c'est même pas comme si dans 5 ans, il y aura quelque chose que j'aurais construit. Gars, ta vie change quand tu commences à t'élever. C'est pour ça que la Bible dit dans Isaïe 60, verset 1, lève-toi. Tu te lèves ici. Lève-toi. Ta lumière est déjà là. Ta lumière t'attend. Tant que tu ne te lèves pas, ta lumière ne peut pas agir. Beaucoup de business vont être créés. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir un business. Tu ne dois pas avoir un produit sur le marché. Tu dois avoir même 20 produits. Minimum. Minimum. Tu dois faire dans tout. Écoutez-moi bien. Parce que tout ce que tu fais, ça passe. You they sell your products. Ça passe. Ça marche. On s'aligne devant ton magasin, on attend que tu ouvres. Tu arrives, tu fais même 30 minutes avant d'ouvrir, on t'attend dehors. On vous a trop fait dormir. Ouais. Maman. Maman. Hey. Maman. Hey, hey. Oh, ya. Yeah. Mais oui, non, tu le prends quotidien. Tu te lèves le matin, tu dis, ok, la routine encore. Il y en a dans mon groupe, pour le groupe, pour le village. Je leur ai dit que donnez-vous 3 mois. 3 mois, j'arrête de travailler pour quelqu'un. Tous les cartons que vous avez dans vos chambres, que vous avez, les produits que vous avez achetés pour vendre, vous allez vendre tout ça. Parmi vous, vous avez les fonds de coop. Vous avez 5 000 euros dans une chambre comme ça, là, dans la marchandise. Tu vends ça, donnez même 8 000 euros, 9 000 euros. Tu es là comme ça. Oh, pardon, likez ma vidéo, partagez ma vidéo. Il faut que les gens se réveillent. Taguez vos cousins, vos cousines. Taguez-les. Ne taguez pas vos belles-mères qui vous détestent. Il y a des gens qui ne doivent pas savoir que vous m'écoutez. Parce qu'ils croient que vous dormez encore. Laissez qu'ils croient que vous dormez. Vous allez faire l'effet de surprise. Dans 2 mois là, tu viens avec ton 5 000 mètres carrés que tu as acheté. En 2 mois. On dit, hey, moi on avait bloqué non. Elle a fait comment pour acheter le terrain? Elle a fait comment? Elle est passée comment? Vous leur préparez des surprises. Des surprises. Je vais mettre les idées dans vos têtes. Tant que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas accomplir. Vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas. Je vous dépose les idées dans la tête. Ça doit produire. Ça doit produire. Ça doit produire. Ce que depuis 10 ans, vous n'avez pas fait en Europe. Vous êtes abonné sur ma page, non? Je vous donne 3 mois. 3 mois. Une autre me contacte l'autre jour. Elle était tellement. Elle dit qu'en 2 jours, elle est partie faire tout son travail. Elle fait, elle fait. Et elle travaille sur ça. Elle ne croyez pas, vous allez seulement dire Amen, ça va se faire. Je crois que si vous avez bien écouté, vous avez compris qu'elle travaille derrière. Ok, continuons. Elle fait, elle appelle, elle fait. Le lendemain, elle me dit. Mon ex m'a appelé, il me dit que il va partir signer son contrat pour sa maison. Comme il va vendre la maison là.
S'il vend ça, il me donne 90 000 euros. Je dis, yes, ma fille, c'est bien. Que d'abord, qu'on a parlé, elle a ramassé. Donc, on a parlé à 7 heures. J'ai fait sa consultation à 7 heures, elle est partie à l'école. Elle a ramassé 20 euros dans le bus le matin quand elle partait à l'école. Je lui ai dit que maman, t'as pas d'argent qui arrive là. Ouh! C'est le faya. Faya. Quel que soit, je vais commencer maintenant à prophétiser sur vous. Qui que ce soit dans votre famille qui s'est assis sur votre destinée. Qui que ce soit souterrain, sous-marin, ces pouvoirs-là m'ont été donnés. Que ce soit céleste, je déclare que ces personnes vous laissent partir. J'insiste encore sur le lavage de sel. Mélanger sel et huile. Je vois encore ça. Isaïe 10, verset 27. Mettez sur votre cou. Faites une chaîne sur votre cou. Lisez-vous, déclarez. Tout joug familial, joug ancestral qui a été mis sur mon cou. Que ce soit pas mes amis, que ce soit pas mes relations, mes ex. Je détruis tout serpent qui m'étrangle financièrement. Je détruis ton effet au nom de Jésus-Christ. Écoutez, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. C'est que vous aimez seulement voir que oh, la petite fille parle de quoi. Je ne suis pas seul. Quand mes messieurs vous parlez, je ne parle pas de mon autorité. C'est le Père qui m'envoie, qui me dit de vous dire ce qu'il vous dit. J'ai précisé, prenez l'huile et l'huile d'olive et le sel. Si vous avez le sel de mer, gros grain, là, c'est l'idéal. Quand vous êtes en train de mélanger les deux, déclarez que quand l'huile va me toucher, la présence du Saint-Esprit me remplit. J'ai souvent vos témoignages tout le temps, non? Vous m'écrivez, vous me donnez. De toutes les façons, je vais commencer à vous donner des témoignages aujourd'hui. Tout serpent qu'il y a sur votre cou, qui est devenu comme votre collier là, déclarer que tout joug, je détruis, on détruit, on ne vient pas casser, quand on casse, ça peut revenir. Tu détruis. Isaïe 10, verset 27. Vous prenez encore la même huile, vous déposez sur votre front. Utilisez-moi ce doigt-ci. J'ai une dame l'autre jour, elle est dans le groupe de prière. Elle avait tellement peur. Elle me dit, oh, mes boss m'ont demandé de venir. Je ne sais pas où ils vont me dire que quoi. Oh, oh. Ça fait il y a quelques temps, je n'ai pas mes papiers. Où on veut me renvoyer. Oh. Je lui dis, madame, prends ton doigt, tu déposes ton front là. Tout esprit de peur te commande de partir. Le soir, elle rentre en chantant. Wow, on m'appelait pour me couronner. Oh, je ne savais même pas. Hey, on me demande ce que je veux dans mon boulot. Ils m'ont dit que vraiment, je leur dis ce que je veux. Vraiment, que ça fait tellement longtemps, j'ai bien servi là-bas. Je dis, maman, tu avais peur de quoi? Écoutez encore bien. Vous voyez une belle fille comme moi là, vous me voyez avec les choses ici là, vous parlez de trucs. J'aurais pu être dans 5 étoiles quelque part là-bas, dans une Lamborghini avec un Joe en train de. Mais me voici. Je sais qui m'a appelé. Je connais l'autorité qu'on m'a donnée. Au ciel, sur la terre et dans l'eau. Et sous la terre. Vous prenez l'huile. Index. Déposez là. Réactivez votre étoile. Ceux qui ont ça devant eux maintenant. Vous savez quoi, je vais attendre peut-être une minute pour aller chercher. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Abonnez-vous. Abonnez-vous s'il vous plaît. Bataillez ma vidéo. Me voilà à 22h47. Vous croyez que je blague? Vous croyez que je blague? Je laisse mon lit, je suis là, ici, là, comme ça. Je me suis levé à 5h30. On va vous délivrer. Asseyos, tu sais quoi? Je crois qu'il est temps que toi et moi, on se dise au revoir. Tu comprends? Ma page, je ne te sers pas trop. Ok? Il y a des anciennes personnes, c'est là que vous me suivez depuis des années, que vous devez partir. Vrai, vrai. Je ne vous sais pas. Vous êtes là depuis des années, vous me regardez comme ça là, pourquoi?
Pardon, laissez-moi comme ça. Ok, vous avez le sel. Je suis en train de faire la prière, tu me demandes que je parle de quoi. Tu veux qu'elle laisse que je vienne côté dire. Alors que tu vois, j'ai commencé à dire depuis 1h30. Pardon, excusez ma vie. Bon. Ceux qui ont l'huile d'olive là, comme je vous ai demandé. Si tu as le sel de cuisine, sel c'est sel, mamie. Sel c'est sel. Hier, je vous ai expliqué un peu les degrés de puissance dans les sels, mais sel c'est sel. Prenez le sel. J'ai besoin de votre index droit. Europine, ne te dérange pas, mon doigt, c'est là, ça bloque très vite les gens. Jusqu'à ne blague pas, moi. Vraiment, piou! Voilà. Et t'es dit qu'il t'observe. Tu es à 70% sur la page ici. Quand tu vas arriver à 50%, tu vas partir. Il y a des gens qui sont là à 100%. Quand ils voient tes commentaires, ils ne m'intéressent pas là. Je t'envoie là-bas. Ok, continuons. Huile d'olive, sel. Hier, je vous ai donné Matthieu chapitre 5, versets 14 et 15. Que vous êtes le sel de la terre. Charlotte, tu n'as pas d'huile d'olive, je fais comment? Prends l'huile d'arachide, prends n'importe quelle huile, même l'huile rouge. L'huile, c'est l'huile. Voilà. L'huile, c'est l'huile. Prends même l'huile rouge. Tu n'as pas, tu prends ta salive, tu craches sur le sel. Arrêtez de vous donner des excuses pour ne pas faire le travail spirituel. Ok. J'ai besoin de votre index. Voilà. Je suis sur haut-parleur, je suppose. Donc, je vais parler à ces outils que vous avez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que je sers, à qui j'appartiens, je viens bénir cette huile que vous avez devant vous. Je déclare qu'elle représente maintenant la présence du Saint-Esprit. Tout ce qu'elle va toucher va maintenant être rempli du Saint-Esprit et délivré de toute possession maléfique. Je vais maintenant parler à ce sel. Je déclare que tu représentes maintenant la saveur du Saint-Esprit. Toutes les personnes que tu vas toucher, tu vas restaurer leur aura, restaurer leur étoile. Au nom de Jésus. Amen. Il y en a parmi vous. Après le sel, là, vous allez prendre un peu, vous allez frotter dans les paumes de vos mains. Ici. Les deux côtés. Vous allez déposer le téléphone. Ça, c'est ce que j'ai vu. Vous déposez le téléphone, vous frottez ici au milieu d'abord. Ici et là-bas. Et en frottant, vous dites, je restaure mes finances. Tout trou qu'on a mis sur mes doigts, sur mon porte, dans mon porte-monnaie, vous allez verser un peu de ce sel dans votre porte-monnaie aussi. Tout trou qu'on a percé pour prendre mes finances, je vais maintenant fermer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On revient à ce qu'on disait avec l'huile. Prenez maintenant le sel. Vous versez dans l'huile. Pendant que vous versez, vous déclarez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que ce sel réactive mon étoile, ma destinée, et la destinée de mes enfants et de mon mari, en fonction des gens à qui vous allez donner ceci. Voilà. Selon Matthieu chapitre 5, versets 14 et 15, je déclare que je suis le sel de la terre. Tout ce que le Seigneur avait l'intention quand il m'a créé depuis la fondation des temps est restauré dans ma vie. Tout endroit où mon étoile avait été gardée, je commande qu'elle soit libérée. Tout tissu, le Seigneur m'avait montré une révélation une fois, genre une ampoule là. Si on prend un tissu noir, on dépose, qu'on couvre l'ampoule, la pièce sera noire. Parfois, c'est ce qu'on fait sur vos étoiles. On vient, on couvre ton étoile. Donc, répétez après moi, tout voile spirituel qui a été mis sur mon étoile. Purée, c'est pas possible ça. Ah, je crois que c'est bien, ma mère. Comme ça, certaines personnes sont parties. Les sceptiques qu'on a sont partis, ouais, c'est super. Donc j'ai dit selon tout voile spirituel qui a été mis pour couvrir mon étoile, je commande à ce voile d'être détruit au nom puissant de Jésus. Maintenant, il y a un dernier truc qui m'a montré. Dernier, attendez.
Voilà. Déclarez avec moi. Tout endroit où on prononce le nom de... Vous dites votre nom. Ce sera pour la faveur. Ce sera pour me bénir. Ce sera pour m'ouvrir les portes. Dites que tout endroit où on prononce mon nom, le nom de... Nya, 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 vous dites votre nom. Voilà. Toute liste noire ou rouge, toute liste de dettes, toute liste de morts, répétez après moi, hein, sur laquelle on a mis mon nom. Je déclare maintenant que ces listes sont désintégrées et détruites au nom puissant de Jésus. J'efface mon nom de tous les tableaux maléfiques, tous les hôtels maléfiques où ils ont mis mon nom et ma photo. Ok. Prenez maintenant l'huile avec votre doigt, vous déposez ici, vraiment au centre de votre front ici. Faites une croix. Voilà. Waouh. Il y en a parmi vous, votre intelligence est en train d'être restaurée. Quand vous partez à l'école, vous avez seulement mal à la tête. Mal à la tête, mal à la tête. Mais vous avez laissé l'école. Il y en a parmi vous, dans votre famille, vous êtes la seule personne qui n'a pas eu de grand diplôme. Le Seigneur vous restaure, il restaure, il restaure votre imagination, vos idées, vos idées. Ouh, vos idées de business. Sarababashi karabaka usandara kashandari usandari bosha. Il y a un dernier truc encore que je dois faire. Il y en a parmi vous, vous avez beaucoup de dettes. Beaucoup de dettes. Les dettes, tu ne respires pas. Voilà. Dépose le téléphone, tu prends l'huile dans tes deux mains, tu mets d'abord une main, tu essuies sur tes deux mains, tu fais comme tu lavais tes mains en fait, tu essuies tes deux mains. Tu parles à tes mains maintenant, tu déclares. Toute liste sur lesquelles on m'a inscrit, qui font que je suis constamment endettée, qui font que quand l'argent touche ma main, ça ne repaye pas mes dettes. Je me nettoie maintenant. J'enlève mon nom de ces listes noires. J'enlève mon nom. Je nettoie mes mains et je déclare que tout argent qui va passer dans cette main maintenant, ce sera pour la restauration financière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je restaure vos dettes. Je sais que vous allez me faire des témoignages. Vos dettes sont restaurées ce soir. Vos dettes, les dettes là. Les dettes que tu payes quand tu savais à Fignon de dire qu'il y avait encore 50 000 euros qu'on a oublié là. On te prolonge encore sur 5 ans. Et les cas que les banques de France, tout ça, j'enlève vos noms de leur liste. J'efface au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si pendant que je parlais, vous avez eu des visions, vous avez vu des choses qui ont été, des trucs dans lesquels on vous a retiré, vous pouvez témoigner après. En même temps, chaque fois que vous avez votre délivrance, mettez toujours une offrande. Très important. Quand vous venez demander quelque chose, le spirituel fonctionne avec le spirituel. Tu viens, tu obtiens ta délivrance. Je viens, je demande ça. En venant, tu viens avec quelque chose. C'est pour ça, dans le physique, quand tu pars dans un magasin pour acheter quelque chose, tu pars avec l'argent. Bah, tu sais que tu ne peux pas entrer dans le magasin, quelqu'un, tu prends, tu sors. C'est que tu es un voleur. Donc, ne croyez pas que vous partez prendre votre délivrance comme ça. Même si c'est le orange money de 500 francs. Envoyez une offrande pour sceller ce qui vient de se passer dans le spirituel pour vous. Vous savez comment il dit moi mes choses, non? Je dis celui qui veut faire, celui qui ne veut pas faire, il ne fait pas. En ok. Voilà. Et vous dites moi seulement. Alright. Maintenant, je vous mets mon PayPal. Celui qui veut envoyer l'envoi, il scelle son truc. Celui qui dit que je n'ai pas, qu'il n'est pas. Jésus a dit à celui qui a, plus sera donné. La Bible, mon frère, la Bible. Celui qui a, plus sera donné. Celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on va prendre. Oh là là, Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, voilà ça. Bon, je vous mets les numéros là-bas. Vous allez me demander les noms, vous me contactez inbox. Moi, il ne peut que vous dire la vérité parce que je sais que
Avant, c'est un truc qui me dérangeait beaucoup. Je priais pour quelqu'un, mais que le Saint-Esprit me dit, dis-lui que là, il doit donner l'offrande. Je vous peux envoyer dans la semaine. Hein. Il y a des gens, j'ai des gens qui ont reçu des offrandes aujourd'hui pour dimanche passé. Parce que dimanche, on a fait un truc et puis j'ai dit donner l'offrande. Il y en a qui ont donné aujourd'hui. Mais rappelez-vous seulement, c'est tout. Après. Mon numéro OM, c'est le 693 50 22 66. Et à Jocelyne sur mon nom. Vous avez compris. Jocelyne va s'afficher. Voilà. Et là, le Seigneur me dit, pourquoi? Parce que moi, je connais. Pourquoi toi, tu donnes des offrandes? Et c'est ça qui te sauve. Toi, tu ne leur dis pas de donner les offrandes pour que ça les sauve. C'est pour ça que maintenant, hein, Roha, moi et vous, dis-moi. Roha. MTN, c'est de 680 710 701. Voilà. Donc, même si j'ai mal écrit, oui, 701, il y a 701 à la fin. Ok. Voilà. Je vous enseigne beaucoup les lois spirituelles ici, là, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne connaissiez pas ce que je suis en train d'enseigner. C'est comme ça qu'on vous s'est permis de vous cabosser n'importe comment. Bon, maintenant que vous connaissez, faites un bon usage. Il y en a ici que je sais que même le bain, là, vous n'allez pas prendre. C'est ça qui me, il me gagne avec vous. Voilà. Je sais que l'esprit a bougé. Je ne doute pas. Vous savez, je ne doute pas de l'onction que je porte. Vous mettez sur le front des enfants, chacun de vos enfants. Chacun. Il y a des gens qui prennent les torts de vos enfants. Vous ne savez même pas. Ne donnez pas d'excuses. Même l'huile rouge, je vous buffe avec. Le sel, vous avez le sel à la maison. C'est que parfois, vous êtes tellement lourd. Ou c'est que quel esprit de lourdeur qui a sur vous. On te dit un truc, tu vas t'asseoir, tu vas me regarder comme ça comme la télé. Moi, je vais partir dormir, on va te taper dans ton rêve. Bien même. Maman, pour vous là, Jesus. Yesu. Et vous connaissez, les gens qui ne, que vous venez seulement bavarder, c'est là vous bavardez, vous bavardez, après ne vous voyez pas. Que je résous d'abord telle situation, de tel problème, de tel... Ouais Seigneur, pardon, attendez pas. Bonne nuit à vous, il est 23h, me voilà encore. Non, coucou, cookie ou c'est cookie ou, tu vas seulement écouter après, tu as compris non? Voilà. Quelqu'un a envoyé ses 500 francs CFA. C'est bien ça. Que le Seigneur te bénisse. Tu as compris. Comme toi-même, tu as vu. Quand tu envoies 500 comme ça, je sens que c'est chaud sur toi financièrement. Et c'est ça, je sens. Que cet argent, ce soit une porte. Une porte que l'Éternel utilise pour entrer dans tes finances. Et te bénir. Je vois ton nom ici. Je dépose la nourriture sur ta table. Selon le psaume 23. En présence de tes ennemis. En présence de tes ennemis. Robin, tu sais quoi? Je vais te supprimer de ma page. Va te laver. Tu vas te laver pourquoi? Paresseuse là. Parce que tu n'es pas dans mes groupes privés. Avez-vous aussi sur Facebook, je suis gentil. Je suis fatigué. Vous ne voulez pas. Vous ne connaissez même pas ce que vous voulez. Même à 2h, va te laver. Je suis fatigué. Fatigué mon œil. Oui, voilà votre transfert. Que le Seigneur te bénisse. Et quand ils vont me donner 500 comme ça, là, je ne reçois presque jamais l'offrande de 500. Like,
Généralement, il y a au moins 2 ou 3 égos sur ça, en plus. Que le Seigneur, comme vous avez au moins reçu aujourd'hui là, que cette nuit, le Seigneur vous montre ce qu'il a fait dans votre vie. Millions, milliards, je ne vais pas te mettre dans mon groupe. Tu as compris, papa? Je ne sais pas si tu es un homme, je ne sais même pas si tu es une femme. Quand ils voient les gens qui ne peuvent pas connaître votre nom là, I don't like it. I don't like it. Écrivez-moi sur WhatsApp. Voilà mon numéro WhatsApp là-bas. Je vous donne mon téléphone 680 71 07 01. Je vois vos offrandes. Quand je vois le montant de vos offrandes, je sens que pour certains d'entre vous, c'est vraiment chaud. Mon compte PayPal camerounais n'est pas basé au Cameroun, monsieur. Tu as compris? Si tu as utilisé le lien PayPal, tu vas sûrement voir la devise du pays où j'ai enregistré mon PayPal. Je vis au Cameroun, mais je ne suis pas du Cameroun. Mon royaume n'est pas d'ici. J'ai mis mon PayPal ici. Voilà mon PayPal dans le direct. Je vous l'ai donné. Je ne m'attarde même jamais sur les offrandes aujourd'hui. C'est grave. Parce qu'il reste vraiment comme ça. Mes gens des offrandes connaissent déjà. Je n'ai pas besoin de leur parler comme ça. Ça veut dire qu'il y a vraiment les gens aujourd'hui là que Dieu veut vraiment vous donner la bénédiction. J'aimerais faire comme ça là. Plus pas. Eux-mêmes, ils connaissent. Parce que mon groupe voit ça là. Ils connaissent déjà. Je ne dois même pas courir. C'est la base. Vous connaissez ce que ça vous donne. C'est ton offrande qui attire toi. Ce n'est pas ma prière seulement. Orange Money, c'est 693 50 22 66. 693 50 22 66. Et MTN Money, c'est 680 71 07 01. 680 71 07 01. Des filles, il n'y a pas de problème. Intégrer les choses aussi dans votre vie, vous allez voir. Souvent, tu vas garder ta dîme comme ça. Là, tu vas te rendre compte que en 2 mois, tu as la dîme même de 700 euros. Tu dis, hey, ça veut dire qu'en 2 mois, j'ai eu 7000 euros. Vous avez compris. Europine, je n'ai pas vu ton offrande, pourquoi? Tu as dit que tu partais dormir, non? Toi, là, il te voit. Donc, je peux avoir ton esprit jusqu'à... Je n'ai pas besoin de parler. Et depuis là, je m'inquiète, mais tu fais que m'énerver même d'abord. Je ne sais pas pourquoi. Maman, votre dégueu aujourd'hui, là, c'est grave. Je vois vos offrandes. Je vais vous dire vos montants. Je ne reçois pas souvent le châssis, mais bon, je vais quand même dire. Ouais, voilà PayPal. Je crois que quelqu'un a fait un PayPal là. Ça qui est arrivé, je pense. Je ne sais pas. Il y a tellement de transferts que bon. Jomo, j'ai reçu tes 550 francs. QAT, j'ai reçu tes 2500. Tchessep, j'ai reçu tes 5200. Ok. Ngouabé, j'ai reçu tes 500 francs. Voilà. Ndjafa, j'ai reçu tes 1000 francs. Aaron, j'ai reçu tes 500 francs.
C'est vrai que si je ne prends pas seulement mon temps ici, là, vraiment à faire comme ça, parce que quand je vous vois, beaucoup d'entre vous, même la consultation, vous ne pouvez pas payer. Mais je vous dis encore, mettez en pratique ce que je dis ici. Vous allez voir. Vous êtes censé attirer beaucoup d'argent. Bibi, je suis au Maroc, quand même. D'accord. Donc voilà. Bon, je sais pas, il y a quelqu'un qui a fait un PayPal, je pense bien. Attendez, PayPal, je vais voir si qui a envoyé PayPal. Ok, ouais, 23h07. Quelqu'un vient de faire un PayPal. Armande. Ok, tu as intitulé merci pour les prières. Merci. Ok, c'est maintenant que je vois même certains PayPal que j'ai reçus en journée. Ok. Tu as la volonté. Ok. Vous savez, moi, je ne veux pas que dans 3 mois, vous soyez encore en train de souffrir. Moi, je vous dis, je ne veux pas que dans 3 mois, tu sois encore là, tu essayes, tu jongles. J'aime Dieu, j'ai reçu tes 2000 francs. Tu dois souvent te lever pour faire l'offrande comme ça, là, tu envoies même 100 000. Et il y a un moment de ta vie où tu commences à sentir que non. Mais on commence comme ça. On commence par 500. Bonsoir Rosette. Ok Rosette, on s'est vu au mariage d'Ariane. D'accord. Donc bonsoir, bonsoir la reine, je voyais pas. La reine Ngo, bonsoir. Quand vous avez la volonté, commencez d'abord par ouvrir une porte. Et ça, cette porte-là, vous l'ouvrez à travers vos finances. Je vous dis, pour ceux qui ont obéi, je ne suis pas parenté à ce monsieur Edouard, désolé. Pour les offrandes qui sont en train d'arriver, bon, je vois aussi des gens qui utilisent l'application de France, la TapTapSend. Monsieur Biquet, je viens de recevoir ton offrande. Je déclare sur vos offrandes maintenant, comme ça rentre. Je déclare que dans les 2 jours, j'allais dire 5 jours, mais j'ai dit 2 jours, vous recevrez au moins le triple de ce que vous venez d'envoyer. Oui, la reine Françoise, tu peux envoyer par Western Union, mais tu dois me contacter inbox, je te donne mon nom complet. Quand on fait une offrande, vous voyez toujours l'offrande comme un investissement. Si on te dit peut-être que ce que tu as investi ici, tu auras peut-être le double. Tu vas chercher 100 francs, tu viens avec. Demain, on te donne 200. Tu pars, tu cherches 500. Demain, on te donne 1000 francs. Si tu es logique, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher beaucoup, non? Tu vas venir donner. Et ce que vous aimez faire, ça avec le trading. Quand vous dites les bitcoins là, c'est ça que vous aimez faire. Adeline, j'ai reçu ton argent, j'ai reçu tes 700 francs. Que le Seigneur te bénisse pour cette offrande. Je vous assure que je n'ai jamais collecté les offrandes de ces... Même mon numéro va dire Wanda, qu'est-ce qui se passe ce soir? Mais ne vous dérangez pas. Je disais, au nom de Jésus. Je décale la fin des rêves que vous voyez, vous êtes prospère, vous êtes bien habillé. Et après, vous vous réveillez, rien ne marche dans votre vie. Il y en a parmi vous, vous avez les idées. Vous avez, donc déjà que ton étoile est... Mais... Tu ne fais rien avec. Rien. Je vous ai dit, l'huile, là, mettez ça sur votre front. Vous allez, si vous rêvez la nuit, là, écrivez-moi sur WhatsApp, vous me dites.
C'est vrai que je suis très occupée. Écrivez quand même, vous faites le témoignage. Je connais le Dieu aussi. Mon PayPal, je vais vous le mettre. C'est. Voilà ça sur le truc que j'ai épinglé. Non, voilà PayPal. Voilà PayPal. Copie seulement. Aurélie Michel 2017@gmail.com. Je ne peux pas épingler seulement PayPal. Je mets aussi Orange Money et les autres. Donc, si tu regardes, tu vas bien voir. Mon WhatsApp, prenez de quoi noter. 680-711-0701. Mais il est 23h, donc je vais vous répondre demain. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes aux États-Unis que parfois je prends très tôt ou très tard la nuit. Mais ce soir, je vais rentrer dormir. Il est 23h14. Écoutez, hein, écoutez. Pour beaucoup d'entre vous, c'est la fin des trucs que vous voyez votre compte. Il y a les sommes d'argent que votre compte va recevoir. Écoutez bien. Il y a les plafonds que vous n'aviez pas atteint avant, que je déclare qu'en cette saison, vous allez briser les plafonds là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Placom 1, merci pour tes 8 pounds que tu as envoyés. Que le Seigneur te bénisse. Je retourne dans ton compte 10 fois plus dans les 3 jours qui arrivent au nom puissant de Jésus. Ouais. Cynthia, ce n'est pas un problème. Le problème est que ce n'est pas le problème. Il y a les plafonds monnaie. Vous savez quoi? Checkez un peu votre argent. Vous allez voir qu'il y a les plafonds monétaires que vous avez. Parfois, tu restes comme ça là. Ton compte ne dépasse jamais. Il y en a parmi vous en un an. Votre Orange Money n'a jamais vu 100 000 francs CFA en une fois. Ce sont des barrières spirituelles. Je vous dis. Même le genre que quelqu'un veut faire une transaction spirituelle, il ne peut même pas. Donc, il dit que, OK, je veux recevoir l'argent au pays. Est-ce qu'il peut mettre 2 millions dans ton compte? Il ne peut jamais penser à toi. Il ne peut jamais penser à toi. Nettoyez-vous, lavez-vous, s'il vous plaît. Lavez-vous. Vous allez voir les sommes d'argent vont entrer dans votre compte. Tu vas rester comme ça. Tu vas souvent regarder ta balance. Tu vas voir, tu vas dire que yes, papa. Tunes International. Je ne sais pas qui a envoyé ceci. Ça doit être un truc de l'étranger. J'ai reçu vos 5000 francs que vous avez envoyés. Vous avez les plafonds. Ce soir, j'ai retiré les plafonds spirituels sur votre vie. Les plafonds que vous avez, le genre que tu n'as jamais tenu dans ta main comme ça 2 millions en une fois. 500 000, 200 000. Quelqu'un te doit même 5 millions, il va te payer en 10 000 chaque semaine. C'est quoi ça? Ça, c'est les plafonds spirituels. Je brise ces plafonds selon Zacharie. Zacharie chapitre 4, versets 19 et 18. Je brise. Je commande au charpentier des ténèbres de briser ça sur votre vie. Je ne sais même pas qui. L'autre jour, j'ai fait une transaction avec une personne. On a acheté des terrains. La personne a commencé à faire des transferts beaucoup, beaucoup dans mon compte. Et quand ils disaient souvent, je fais souvent me dire déjà à la personne que si tu. Mes transactions financières journalières. Si tu ne fais pas tes captures d'écran, toi là-bas qui m'envoies, c'est que je vais croire que tu mens. Par heure, je prends mon compte comme ça, là, j'ouvre. Transfert, 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 transfert. Je dis que je n'arrive pas. Tu dois m'identifier. Tu fais la capture sur ton téléphone, tu m'envoies. Je ne vous parle pas. Je ne suis pas là pour vous anaquer. Je vous dis toujours. Ce n'est pas tes 500 qui vont toller ma maison. Ça va pas acheter mon terrain. Mais il y a les principes que vous n'avez pas encore compris avant. Maintenant que vous avez compris, pas à la fois. 500 ne va pas te. Ça va me rendre riche. Ça ne va pas t'appauvrir non plus. Je ne demande pas 500. Quand je vois les offrandes de 500 comme ça là. Je me rappelle seulement une fois, il y a 3 mois, une fille m'a donné l'offrande de 500. Elle était tellement à terre, elle m'a dit que. J'ai dit que mamie, pardon. Ok, il ne faut pas que j'empêche que Dieu te bénisse. Envoie tes 500. Ouvrez vos esprits. Ouvrez. Ce soir, dans cette nuit, quand vous allez dormir, Dieu va vous déposer les idées. Vos idées de business qui étaient mortes là. Vous allez vous réveiller à 3 heures. Vous allez seulement écrire. En partant vous coucher ce soir, prenez le cahier, vous déposez au chevet de votre lit. Je vous dis.
Vous avez entendu une voix la nuit, va vous parler. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Vous allez crier. La Bible a dit que béni est celui ou celle qui a fait, qui a cru. Parce qu'il y aura une manifestation de ce qui lui avait été dit de la part de l'Éternel. Je ne sais pas qui à l'étranger a envoyé 5 000 francs. Que le Seigneur te bénisse pour cela. Je crois que tu as utilisé Tap Tap Sen. Ça a été reçu. Bon, j'ai vu ton nom maintenant. Ok. La reine Zambo, que le Seigneur te bénisse pour cette offrande. Gars, parfois qu'on passe se coucher tôt comme ça, là, j'ai dit qu'elle n'est pas dormi, elle dit que je dors que ma vie, je dors quoi? Je dors, ma vie dort. Je dors, ma vie dort. Gars. Lavez-vous avant de dormir, oh. Partez, elle a toujours déposé au téléphone à la fenêtre, vous vous lavez pendant qu'elle parle. Et ça, quelqu'un veut finir, je dirais, c'est là, l'énergie va finir dans vous, vous allez partir dormir. Vous n'avez pas versé au sol, le sel au sol, vous n'avez rien fait. J'ai reçu les 20, 25 000 francs. Je ne sais pas de qui. Parce que quand vous envoyez de l'étranger, ça fait... Kiosque Afrique du Sud. Ah, ok. Ça, c'est quelqu'un qui est ici à Bonamoussa, dit peut-être. C'est peut-être un de vos cousins ou de vos frères qui a envoyé. Que ce que vous avez déposé vous retourne au centuple dans les 4 jours qui arrivent. Cette personne qui vient d'envoyer 25 000, je ne sais pas si tu as attendu une proposition de business. Je ne sais pas qui c'est. Contacte-moi sur WhatsApp. C'est comme si tu as un marché que tu attends. Je ne sais pas. Cette personne en particulier. Celui qui a envoyé 25 000. Ouais. Je ne sais pas, j'étais sur le point de signer un contrat. Peut-être c'est en suspens. Je ne sais pas. Ok. Ok, tu as appris ton bain, c'est super. Actionnez vos paroles. Parlez. Priez. Si vous venez de tomber sur ma page, bienvenue, abonnez-vous. Abonnez-vous. Partagez. Mais surtout, faites ce que je dis, s'il vous plaît. Je vous en prie. Voilà, il y a 2 personnes qui disent qu'ils sont lavés. Enlevez les énergies de la journée, là. Dans votre rêve, vous allez voir. Vous allez me voir. Vous allez me voir, ne vous inquiétez pas. Je vais venir vous sortir des trous, là, les trous, là, les que vous avez mis, là. Au sable mouvant là. Je vais venir vous enlever de là. Parfois, vous me donnez vos témoignages, non. C'est juste que bon. Papa, il vient ici là. Pour ce sel avec, c'est combien de fois? Le sel est chaque fois que tu te laves. Matin et soir. Ne faites pas la paresse, pardon. Et c'est que vous aimez ça. Je suis fatigué, j'ai trop mangé, c'est même là que tu dois aller faire le lavage. Parce que comme tu es lourd de l'air, ils t'attendent sur le lit pour t'accabosser. Tu vas seulement tomber, vous allez dormir. D'accord. Généralement, c'est quand vous voulez vous sortir du boulot, quand la fin de la journée. Parce que là, tu es sorti à les énergies, tu as rencontré les gens, tu as vu les gens, on t'a regardé, on t'a poussé, on t'a insulté, on t'a... Tu as plein d'énergie en toi là. Nettoie. Nettoie. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Catherine, parfois je ne vois pas les commentaires. Tu as compris? Donc, je ne te réponds pas. Et parfois, je vois, il ne répond pas. Vrai, là. Parce que ta réponse, ta question n'a pas vraiment trait avec ce que je suis en train de dire. Tu as compris? Voilà. Et la reine Catherine. Non, ne te fâche pas. J'ai dit que ce soir, peu importe le sel que vous avez à la maison, lavez-vous avec. Europine, tu es à 40. Tu es sur la page, c'est à combien maintenant? À 51%. Tu as encore 1%, il va t'enlever. J'ai dit le sel, depuis pas le sel, sel, sel. Maintenant, tu me demandes que quoi là? Sel, c'est sel. Va d'abord faire ça. On sait qu'il y a les esprits de lourdeur sur vous. Vous allez vous laver, vous allez voir comment demain vous allez vous lever tôt.
Ça vous alourdit. Vous êtes là, vous avez l'élan, l'élan, vous dormez. La nuit, l'esprit te parle, même tu n'entends pas. Dès que tu vois les yeux, ça, tu as tout oublié. J'ai rêvé de quelque chose. J'ai rêvé de quelque chose. C'était même quoi comme ça là? Là, j'étais lavé, tu as refusé. Ok, tu as fait le PayPal, Marie. Ok, je vais regarder, Marie. Quelqu'un, je crois que tu as utilisé Momo Inter, quoi là. J'ai reçu tes 6500. Ça, ça doit être quelqu'un peut-être des États-Unis ou du Canada, parce que généralement, quand vous envoyez, ça avait les numéros là. Bon, je vais regarder maintenant pour le PayPal. J'ai reçu cette offrande de 6000 francs. Que le Seigneur t'ouvre les écluses des cieux pour ton obéissance. Bon, PayPal, je crois que j'ai déjà, oui, j'ai déjà vu ton message, oui. Tu as envoyé ça peut-être quelques minutes. Là, comme. Bon, j'ai reçu. Ah oui, SendWave. Ouais, c'est SendWave qui envoie ça comme ça. C'est les, ouais. Catherine. Ok, c'est au nom de Nadège. Ah bon, c'est au nom de Nadège, le PayPal. J'ai pas encore reçu donc. Si tu viens de faire, j'ai reçu à 14. Ça fait 10 minutes que j'ai reçu un PayPal. Bon, parfois PayPal aussi prend le temps. Je regarde mes emails, mais je vois rien. Ouais, que Charles Cédric. Oh là là. Oh là là, Seigneur. Tu as les méga pour voir le direct alors que tu as faim. Hein? Seigneur. Ah, Kamga le Bélinois, c'est toi, d'accord. Ça veut dire que pour l'autre, là, doit arriver alors. Parce que je ne vois que deux PayPal. Il y a un PayPal qui vient de. Il y a un 19 pounds. En euros, je ne sais pas combien ça avait. Octavie Armand. Que le Seigneur te bénisse pour ça. Bon, ça va arriver peut-être. Si tu as bien pris l'adresse email, ça va arriver. Parce que quand tu mets l'adresse email, tu vois mon nom. Jocelyne Nyogem. Bon, j'ai donné les PayPal. Orange Money, c'est 680. Non, 693 50 22 66. Et MTN, c'est 680 71 07 01. Voilà. Non, il n'y a pas une quantité requise. Tu prends peut-être comme si tu prenais une pincée. Ça dépend aussi de la quantité d'eau. Si tu fais le bain pour toute la maison, tu as 10 litres d'eau, tu vas mettre peut-être 3 cuillères à café de sel. Mais si c'est peut-être 5 litres, tu mets peut-être une cuillère à café. Je viens de donner mon MTN Money, non. 680-71-0701. Vous mettez le code du Cameroun. 237-680-71-0701. Si vous n'avez pas noté, vous laissez. Ah. Pas que vous me faites l'offrande, tu me donnes encore les mots de tête. Nawiti. Bon, je pense que j'ai tout dit. Lavez-vous, s'il vous plaît. Surtout sur vos avant-bras, ici. Vos avant-bras, ici, là. Mettez beaucoup d'eau là-bas, vous lavez. Massez là-bas. Massez. Ok. Le lavage, lui, je vous ai dit ce que vous devez faire avec. Si vous êtes arrivé tard dans le direct, vous pouvez regarder le direct après. Vous allez voir ce que j'ai dit de faire avec lui. C'était pour restaurer et activer votre étoile. Voilà. Ok. Donc, je bénis toutes les offrandes qui ont été données ce soir. Je débloque vos finances. S'il y a les créanciers, les gens qui vous doivent de l'argent et ils vous tournent depuis. Cette nuit, je vous mets dans leurs esprits. Lavez-vous. Quand vous allez vous laver, hein, mettez... mettez le sucre et le miel. Augmentez ceux à qui on doit de l'argent là. C'est un truc que le Seigneur aime. Mettez beaucoup de sucre et le miel. Vous râpez la noix de muscade. Vous mettez un peu dedans. Vous parlez sur l'eau là. Toutes les personnes qui vous doivent de l'argent. Quel que soit ce qu'il y avait sur votre aura qui bloquait votre argent depuis. Pendant que vous lavez, vous enlevez tout ce qui était négatif. Vous nettoyez votre aura. Vous appelez maintenant votre argent. Vous commandez, vous êtes maintenant un aimant pour votre argent. Pardon.
Les gens qui vous emploient là, qui ont votre argent, vous employez depuis quelques mois, ils ne vous payent pas. Avec le sucre et le miel, vous mettez aussi le sel. Au nom de Jésus-Christ, amen. Et quand vous envoyez vos offrandes, que vous avez envoyé là, parlez sur vos offrandes. Seigneur, comme j'en vois, quand ça touche sa main. Écoutez, j'ai l'onction d'abondance sur moi. Multiplication. Les portes ouvertes. Comme ça part et ça touche son compte, Seigneur. Toutes mes portes qui étaient bloquées sont ouvertes maintenant au nom puissant de Jésus. Toutes les personnes qui me devaient de l'argent me payent. Maintenant, les personnes à qui je devais de l'argent, je déclare que je n'ai plus peur de les approcher pour qu'on résolve, on voit comment je vais faire pour rembourser. J'enlève toute peur qu'il y a en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous n'allez plus fuir vos dettes. Vous allez les voir, vous allez avoir la tête soulevée comme ça, vous allez parler. Certains bailleurs vont vous donner la faveur. Certaines personnes à qui vous devez même de l'argent, ils vont vous donner la faveur. Que tu sais quoi? Aujourd'hui, quelqu'un a levé 3 millions sur l'argent que je devais lui donner. Il me dit, que tu sais quoi? Au lieu de me donner tel nombre de millions, tu sais quoi? Trouve-moi ça et puis j'annule la dette. Écoutez, je viens de me faire revenir de 3 millions aujourd'hui, en plus. Vous voyez un peu? Je vois une accélération financière pour beaucoup d'entre vous. L'accélération. Vous avez tellement souffert que quand vous allez commencer à faire des trucs là, accélération. Accélération. Je vous en prie, si vous ne vendez pas encore les produits, vous devez vendre. Vous devez vendre. Je vous en prie, commencez un commerce. Le commerce, c'est la voie rapide par laquelle Dieu peut vous bénir. Je vous dis, moi. Vous m'entendez? Marie-Jeanne Silva, mets la main sur ta poitrine ici, là vient ton estomac. C'est dis-moi ce qu'il y a à faire là, les huiles, les autres. Est-ce que tu as les huiles là-bas? Dépose la main sur le ventre. Ceux qui c'est pour la cigarette, mettez sur la poitrine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tout esprit. Ok, ça vient de ton père. Même pas de toi en fait. Tu te bats contre les démons de ton père. Malédiction ancestrale qu'il faut briser, ma chérie. Ce n'est pas seulement toi. Millions, milliards, laisse ta page. Je ne parle même plus de toi. J'étais presque enlevée sur ma page aussi. Le père de ton fils, il fait quoi? Le père de ton fils. Le père de ton fils. Ce n'est pas la personne dont tu parles, le père de ton fils. Il y a une dame. Elle est dans le groupe de prière. Donc, vous m'écrivez en inbox et je vous envoie le lien. Vous m'écrivez sur WhatsApp, je vous envoie le lien. Hier en particulier, elle a senti elle était, elle s'est levée là prier pour son fils, prendre la photo de son fils prier, prendre le bâton de commandement, commander sur son fils, commander, commander, commander. Son fils rentre dans du stage à 21h. Les lavages, c'est là. Elle force l'enfant. Allez, lave-toi. Il se lave. Aujourd'hui, dans la journée, la police vient à la maison. Poum, 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 poum. Ah, c'est quoi? Elle ouvre. Est-ce que tel est là? Il dit oui. Ouais, il y a eu un truc avec les stupéfiants hier. On l'a vu, il courait parmi les gens qui portaient les stupéfiants. Ils ont commencé à fuir la maison. Hier, dans le monde de l'esprit, elle a senti. Elle a commencé. Et ce matin, dans la prière, elle dit qu'elle a parlé de ça. Que hier, je ne sais pas pourquoi hier, j'ai beaucoup prié pour mon fils. Je lui ai dit encore que il y a quelque chose qui vient du père de ton fils. Et avant que la police ne vienne faire tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui là, elle dit qu'elle a raison. Ça, donc comme ça, vaguement, elle a pensé que mais le père de mon fils m'a dit qu'il a fait la prison, qu'elle était jeune. Quelques heures plus tard, on vient arrêter son fils. On l'amène en cellule. Bon, bien sûr, on a brisé ça. On a fait ce qu'il y avait à faire. Vous allez voir que il y a beaucoup de combats.
que vous combattez, ce ne sont même pas vos combats. Ok. Ok. Je reçois le don de 50 pounds qui a été envoyé. Gamen, que le Seigneur te bénisse. Je vois, tu as mis le message que Dieu te bénisse pour le travail d'éveil spirituel que tu as accompli, ma chère. Merci beaucoup. Votre message me touche beaucoup. Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci. J'aime beaucoup comment on encourage souvent cela. Et moi, ça me plaît aussi. Parce que vous croyez que je suis en fait. Vous croyez que je suis en fait. Vraiment, que pour cette semence que tu as donnée, que le Seigneur te retourne au centuple. Voilà. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cédric, tu n'arrives pas à trouver d'emploi. Il faut te laver, laver, laver. Si tu as droit là, viens prendre les selles ici, là. Quand vous pleurez trop l'argent, là. Ok? Viens prendre les selles ici, là. Tu peux te laver avec. Sans déjeuner, tu vas te laver. Tu vas te laver. Toi, là, il y a trop de choses sur toi. Tu vas te laver. On adresse les esprits par les actions. Un esprit ne doit pas te donner un mauvais, un hard time. Un esprit ne doit pas te déranger. Quoi? Toi, là même, tu es un roi, tu es une reine. C'est pas ça que je vous dis, prenez ça, versez, c'est la fête, comme ça, vous ne le faites pas. Dormez, ils vont vous toucher la nuit. Vous allez vous gifler comme ça, là, vous allez... Attendez. Simple, simple. Conjuguez le verbe simple. Si vous allez simple ensemble. Soyez plus bête, pardon. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir, bienvenue. Abonnez-vous à la page, s'il vous plaît. Je fais de l'éveil spirituel, c'est-à-dire, je vous donne les choses qui vont vous aider à conserver votre argent, que votre chance ne parte plus. À ouvrir aussi vos yeux spirituels et physiques. Oh my God. Shandarababo shikarabasante. Ouh, je sens l'onction. Oh, mamma mia. Jesus. Quelqu'un doit tenter de prier pour moi jusqu'à... Jesus is Lord. Je crois aussi que c'est ce que je bois là. C'est une de mes potions. Si ton fils chauffe. Donne-lui un peu d'huile lèche. S'il te plaît. Il a mangé quoi dans la journée? Parce que je vois un peu souvent seulement son ventre, je sais pas pourquoi. Yves Camden, tu n'as pas une femme de nuit, tu n'as pas une ou elle n'a pas un époux de nuit. Je pense qu'il y a un esprit qui est au milieu de vous deux. Yves Camden, problème avec son épouse. Problème avec son épouse, oui. Toi, soit tu as une femme de nuit, soit elle a un mari. Peut-être même vous deux, vous avez. J'ai compris, Yves Camden. Depuis hier, il y a des boules à la tête. Avant d'aller faire le permis, Françoise, même 2 semaines avant, tu dois bien te laver. Parce qu'il y a un esprit qui fait quand tu arrives là, tu paniques. Je crois que ça vient de ton père. Tu as grandi avec qui? Les esprits qui vous collent, vous vous lavez. Si vous venez d'arriver sur ma page, j'ai fait un direct là. Ceci fini, vous partez regarder encore. Je sais que vous n'avez pas regardé. Comme vous êtes paresseux là. Je ne sais pas pourquoi. Regardez ce qu'il fait aujourd'hui. Regardez pour hier. Je vous montre. Hier, j'ai montré. J'ai pris le seau. J'ai mis le sel dedans et montré comment faire le lavage. Faites le lavage là d'abord. Vous avez compris, non? Il y a quelqu'un qui a une douleur ici là, gauche. Ta hanche gauche comme ça là, dans tes côtes. Tu es en train d'être guéri maintenant. Tu as compris? Prends le tube ou ta côte gauche avec. Ce qui pique à l'intérieur de ton ventre là. Pour les autres là, déposez vos mains dessus. Ange Michael, j'utilise le main comme point de contact. Je rentre maintenant dans vos côtes, dans vos poumons. J'enlève tout dépôt, tout cristal. Je vois des petites boules comme ça qu'on a insérées dans là. Je retire cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Tu m'as pas écrit tout à l'heure pour tes business là. Le monsieur aussi là, il s'appelle comment? Diane, on a volé ton étoile. Tu dois restaurer ton étoile. Tu as compris, Diane? Diane Ngomila.
Kamga, tu es quelqu'un qui est dans les affaires, tu es très puissant. Très puissant. Très puissant. Je dis bien très puissant. Mais détourné. C'est pour ça que généralement, est-ce que tu es marié? Tu as beaucoup de distractions. Quand j'étais encore plus jeune, c'était beaucoup de femmes. Tu as beaucoup de distractions. Et ça vole ton énergie. Très puissant. Tu dois te faire des lavages qui vont te recentrer. Ça va recentrer ton chakra. Recentrer. Si on vous demande que vous faites quoi à 23h sur le direct, si là, je ne sais même pas moi-même ce qu'il dit depuis, mais il fait que dire les choses. Ça fait à 40 minutes. J'ai parlé de lavage ici, là. Lavez-vous d'abord. Lavez-vous d'abord. Si je ne t'ai pas lavé, tu viens dire que moi alors... Prends le sel d'abord, je te lave avec cette nuit. Ouais, Seigneur. Tes enfants, eh. Dieu, les enfants que tu m'as donnés, c'est là. Wow. Lydie, j'ai demandé de mettre le truc sur le... Tout ça, vous faites comment? Million, je te néglige comment? Je te néglige, je ne sais pas pourquoi je suis très sérieux. Je sais que tu es sérieux. Ngomé, j'ai dit dans le direct, si ne viens pas, tu commences à trop bavarder. Le direct, j'ai monté comment restaurer son étoile. Vous avez compris, non? Corinne Niquez, merci. Quand vous écoutez mes conseils, là, je vous en prie, mettez-les en pratique. OK? Vous me dites que rien ne marche, rien ne marche, rien ne marche. Ce soir, allez d'abord vous laver. Sur Paris, je vais vous donner le numéro de quelqu'un, va vous donner les selles. Allez vous laver. Si je ne peux pas te laver... Laisse, tu as compris. Ta douleur te plaît trop. Ta douleur te plaît, c'est trop sucré à toi. Voilà. Amen, Blandine, merci. Parce que vous aimez ça. On parle de vous que vous maîtrisez. Pardon. Donc je continuerai à vous aider. Vous-même, vous allez vous lever. Vous allez aussi aider d'autres personnes. Vous avez compris. Quand vous commencez à poster beaucoup comme ça, là, alors... J'ai fait 17 ans dehors. Je suis rentré au pays. Ça fait 7 mois. Mes activités ne bougent pas. Mouf, ma Désiré, on ne rentre pas au pays comme ça, hein. Le pays a les dents. Tu as compris? Tu as compris? Le pays, mon frère, c'est violent. Les gens font le sorcellerie ici, là. Kohoha. Hoha. Aïda, lui rouge aussi, oui, ça a des propriétés spirituelles. Tu as compris, non? Négligez pas. Maman, merci. Et ceux qui m'ont dit que merci pour leur conseil, là, merci. Tumba, merci. N'achetez pas n'importe quelle sel. Prenez celle de mer. Celle de mer d'abord. Et puis il y a les autres couleurs de sel. Si vous êtes au Cameroun, on peut vous poster. Si vous êtes à l'étranger, on poste. Voilà. DHL n'est pas très cher. Je pense qu'avec quand même, avec 20 000, je peux vous envoyer au moins 2 kilos. 2 kilos de marchandises. 2 kilos, ça prend au moins les premiers soins de loi, le lavage, là. Oui. Peu importe le pays. OK? Oui, compris, là. Irène Natacha, bonsoir.
Oh. Et tu laisses nos ancêtres de côté. Je pense que Jésus est l'ancêtre juif. Jack Jenny. Jack Kenny, hein, c'est pas trop. Tu sais quoi? Il veut pas parler, tu as compris, non? Ok. Le sel de l'Himalaya est très intéressant. J'ai une de mes filles qui a les gros cristaux comme ça. Elle m'a dit qu'elle va m'envoyer ça. Elle a acheté ça en France. Oui, le sel rose de l'Himalaya, c'est super. C'est très chargé. Très, très, très chargé. Oui, on peut envoyer en Russie. Merci, Charlotte. On peut envoyer en Russie. Donnez-moi juste l'adresse. Vous faites le paiement électronique. Et puis, demain, on va aller poster beaucoup de paquets. Beaucoup, demain, j'ai au moins 15 paquets qu'elle va envoyer à travers le monde. Donc, il y a plein de marchandises. Il y a les produits. Ta fille est possédée. Ça vient de par qui? Ça vient par qui? Par toi ou par sa mère? Tomba. Parce que beaucoup de parents, vous connaissez le problème de vos enfants et vous connaissez tous leurs problèmes sortent. Vous connaissez. Tu as bien dit, Europine. Tu t'es à laver, Europine. Yves Camdem. S'il te plaît, fais d'abord le lavage ici. Tu reviens demain dans le direct. Tu as compris? Fais le lavage ici d'abord, Yves Camdem. Lave-toi d'abord la base avec le sel. Et avant de vous coucher la nuit, tu verses maintenant. Verse le sel autour de votre lit. Tu as compris, non? Parce que si les dit la solution, tu ne vas pas partir faire. C'est ça le problème avec vous, en fait. Comment d'abord par le petit qui vient de dire là? Ok. Voilà. J'attendais vos témoignages demain. Donc, merci pour les offrandes que vous avez faites. Que le Seigneur vous bénisse. Chaque fois que vous écoutez une parole qui vous touche, qui vous change, mettez une offrande. C'est très important. Jesus! 250 000, Jesus! Orekato Rabashanta. Elle me fait parler en langue. 5 kilos. Je t'envoie les 5 kilos là, 50 000. Si c'est en France, bien sûr. Je t'ai dit. 5 kilos, 50 000 par DHL. Venez me voir. J'ai les réseaux. J'ai les réseaux des choses. Vous savez que mes choses marchent toujours. Je vous dis, moi. Si vous avez là-bas, vous voulez recevoir des colis, vous pouvez demander qu'on livre ça chez moi. Et puis, on vous envoie. J'ai pris un compte chez DHL. Ce qui fait que je ne paye pas les mêmes frais que quand vous partez là-bas comme ça, élan, élan. Vous avez compris. Ça peut devenir le business. Ok. Je pense que c'est tout, hein. Passez une bonne soirée. Allez vous laver. Sopna. Tumba. On ne me la fait pas. Ok. Je dis lavez-vous ce soir là-bas, s'il vous plaît. À demain. Bonne nuit. Faut aussi qu'il n'y ait pas de manger, non. Vous pensez que j'ai mangé à quelle heure? Vous-même. Hein? Bye.